mais oh non. J'ai voulu faire une introduction, j'ai même pas pu le faire. Oh là là, j'ai oublié de remettre ma cam. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau streaming. Ah, misère de misère, j'ai totalement oublié de remettre la cam. Bah oui, parce que d'habitude je ne pars pas de chez moi, donc je n'emporte pas mon téléphone. Bref, salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau streaming, bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play, hein, si je puis dire, sur le Sinnoh de Pixelmon. FR, toujours en compagnie de Mister H5, avec qui, bien sûr, nous avons fait Pokémon Ultra Soleil et toutes nos expériences Pixelmon depuis l'année dernière. Nous étions ensemble et bien évidemment, cette série ne déroge pas à cette fameuse règle, puisque nous sommes ensemble et nous allons conquérir bien évidemment cette région de Sinnoh sur le serveur Pixelmon FR, qui est selon moi le meilleur serveur Pixelmon en termes de, d'aventure. Et bien sûr, Pixel Axe est parmi les peu de serveurs que j'ai fait survie récemment, c'est-à-dire un seul, le meilleur serveur de survie. Mais Pixelmon FR est pour moi le meilleur serveur en termes d'aventure, puisqu'il propose un Johto Kanto, Hoenn, sa propre région Hoenn et Sinnoh, et c'est bien. Et bref, donc on est à Sinnoh, c'est bien fait. Bon, j'ai beaucoup de crash malheureusement, à chaque fois que j'ai un crash, c'est parce que je gagne ou je perds le combat. Souvent je le gagne, mais voilà, au moins c'est un indicateur. Et voilà, du coup hier on a joué deux fois une heure et demie et on a obtenu le troisième badge en fin de stream. Et sur la fin j'ai un peu EV mon attaque mon Whistic, mon Simia. Non attends, non c'est un chimp en feu encore. Tout simplement afin de lui monter son attaque, puisque ce petit bâtard. Ce petit bâtard de Natsu, il s'est dit « Mais j'en ai marre, utilise un autre starter !» et du coup, il est moins attaque, plus vitesse. Plus vitesse, c'est bien. Mais... Attends, non, j'ai même un gros trou, attends, il est... Attends, j'ai un gros trou, non. Il est moins attaque, plus attaque spé, non, pas plus vitesse. Si, il est plus vitesse. Mais moins attaque spé, voilà, c'est méga chiant. Bref, je suis encore mute casque, donc je profite de cette introduction pour bien évidemment montrer un peu l'équipe. Voilà, donc magnifique scène, n'est-il pas? Ah, j'ai l'impression d'avoir des petits bugs de connexion de temps en temps, ça devrait aller. No green screen. Alors, est-ce que tu vas faire la capture de mon jeu? Parfait. Regardez, belle animation, waouh. Voici ma cam qui a été augmentée, qui est meilleure. Bon, là c'est de nuit, j'ai les shaders, donc... Malheureusement, j'ai pas un moyen de changer ça. J'ai pas l'impression. Parce que j'aimerais beaucoup jouer avec avec des shaders, mais le problème c'est que la nuit en fait on voit tellement rien. Ouais non. Ouais non. Tant pis, donc voilà, juste pour cette introduction on va garder le shader, mais je le retirerai dès qu'on va jouer. Du coup, bien évidemment, je représente la team comme dans 100% de mes let's play, vu que là je suis tout seul pour l'instant, j'en profite. Nous avons Natsu qui est une femelle pour une fois, et parce que c'est comme ça, c'est lui qui décide. Si vous avez vu le fameux épisode hors série de Fairy Tail où Natsu, Happy et Lucy veulent apprendre une magie genre de transformation, et bien vous connaissez l'histoire. Si vous avez vu bien évidemment cet épisode. Donc nous avons Natsu, hein, bien évidemment, et oui, j'ai des objets stratégiques un peu. Simplement parce que j'ai pu récupérer des items des anciennes régions avec un coffre en commun. Donc du coup j'ai pu récupérer des items pour ça. Pour la pierre Z, il me semble qu'ils font un item, mais en soi on pourrait utiliser des attaques Z. Ainsi que bah, pareil pour les méga, mais je crois que j'ai aucune méga. Mais du coup multi-export buvy, charbon, veste de combat, voilà, des items pour les EV. Ce genre d'items vont être méga utiles à avoir, donc on les a. Donc moins attaque. Plus vitesse, on peut voir qu'il est EV attaque bien évidemment, puisqu'il a plus d'attaque que d'attaque spé. Derrière, nous avons Nala qui est là dans trop de let's play maintenant. La dernière fois que nous avons vu un spécimen de ce style, c'était Lana, qui était un Emelios. Et cette fois-ci, nous avons Nala qui est de retour, qui elle, cette fois-ci, a elle de bonnes stats, plus attaque, moins défense. Donc sa meilleure stat et sa pire stat qui se voit boostée et baissée. Respectivement, après nous avons Oiseau du Ciel classique, j'aimerais dire, qui est pour l'instant un étourvol, orbe vie, qui tape très fort, moins attaque spé, plus défense. Bon, plus défense, ça aurait été bien l'attaque ou la vitesse, mais bon, au moins il est moins attaque spé, donc on a une augmentation intéressante
là où nous avons une baisse aux F, non, une augmentation, on s'en fout, mais une baisse très très cool. Après nous avons Togepi qui nous a été offert par Cynthia, qui lui aussi a des stats nuls, plus attaque, moins vitesse, c'est littéralement affreux pour un Togepi vu qu'il a une attaque à chier, une vitesse pas si ouf, donc c'est bien d'augmenter la vitesse, et une attaque spéciale très très bonne, mais malheureusement ce Togepi ne veut pas. Et nous avons Cleaver qui provient du Wonder Trade et qui est très très fort, il fait vraiment le taf, donc je le garde, surtout qu'il a le talent technicien qui fait que les attaques de moins, enfin qui sont à inférieur ou égal à 60 de puissance, ces attaques là sont boostées de 50%, c'est à dire que son coup double, on a un 35 x 1,5 deux fois, donc on a équivalent à une attaque qui fait à peu près 100 de puissance, ce qui est très fort vu qu'il a 66 d'attaque. D'ailleurs on va lui donner la poignée pouvoir, donc tant pis, sera plus lent. Oh je sais pas, ouais non au pire pas grave. Mais en vrai si je veux buter des Pokémon, autant lui augmenter son attaque au passage. Même, attends, non tu sais quoi, hop là, voilà. On va lui donner ça direct, donc certes il sera deux fois plus lent, mais de base il est pas méga rapide. Ouais il a pas une vitesse de malade. Donc voilà, on lui augmentera ses EV d'attaque. Et voilà. Alors Mister a enfin lancé son stream, donc je vais me démute. Et voilà, je... Bonjour. Bonjour. C'est bon, j'ai fait mon introduction. Donc ouais. Et bien, écoute. Et bah let's go. Je suis au centre Pokémon du coup là. Alors attends, 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 parce que moi j'ai mon avis qui n'est pas encore lancé. Ah, si lancé, mais j'ai pas encore fait l'introduction. Ah attends, d'accord. 3, 2, 1, genre. Ici but casque. Comment ça? Je viens de me faire oufette, donc oui, comme on peut le voir, hein, on voit bien mieux hein, quand il n'y a pas de shader. Mais c'est très bizarre que je vois aussi sombre quand même, c'est méga violent. Bien évidemment, si vous ne saviez pas, voilà, j'ai un petit skin custom, j'ai pris mon skin de base, et je lui ai mis des... j'ai repris un skin d'Aurore. Pas l'Aurore de Platine, parce qu'elle est trop habillée et ça me dérangeait. Donc voilà, on a le skin d'Aurore de Diamant et Perle, et je trouve qu'il est bien mieux. Voilà, voilà. Du coup, vas-y, on va commencer par un petit Wonder Trade, je pense. Donc, on a deux Tarsals, un qui est très bien en tant que garde-voir et un bien bonjour. En galère. Bonjour. Ah, bonjour. Bonsoir à tous. Voilà. Je vais commencer par le Wonder Trade. Oui. Ah, le Wonder Trade a encore changé. Comment ça? Bah, quand tu fais WT ton pseudo. Ouais. Tu cliques sur le Pokémon et après il est à droite, tu vois Pokémon sélectionné, accepté. Oh, ok, d'accord. Et j'ai obtenu un Pichu. Ah bah tiens, c'est... C'est marrant ça. Il y a Froid Frimousse, Doux Baiser, Éclair Camaraderie. Ouais, poubelle. Alors attends, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Donc va falloir faire le combat contre le rival maintenant, puisque je connais presque pas par cœur. Je connais plutôt bien la génération. Tiens, bah en attendant, je vais aller farmer des OV pour Cleaver. Bonjour. Bonjour. Attends, est-ce qu'il faut aller là? Alors, viens voir. Ouais, toi, WT. Alors on commence sur un étourvol, ça m'arrange pas trop, mais je pense que pas que je me fasse one shot. Ouais. Ski accepté. Ouais. Un Oceraptie, ça ne m'intéresse pas. Bah, mais un Oceraptie, il y en a rare, il y en a peu en plus. C'est très rare. La attention empêche un Pokémon d'avoir peur. Waouh. Il est sérieux de nature, donc il n'y a rien qui change. Qu'est-ce qu'il est sérieux? J'aimerais bien avoir un Tarsal moi, un bon Tarsal pour Guilhem. Ah bah si tu veux, tu fais ça et... Oh métronome! Enfin! Il est bon. Je sais pas, il faudra que je regarde après. Bon on a là, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, j'irai fermer des EV pendant que tu cherches ton Tarsal du coup. Ouais. Aïe. Quoi, il tient à 1 PV quoi, on voyait même pas ça.
sa barre de vie. Bon, objectif EV du coup pour ce début. Et après, on continuera. Bon, du coup, j'ai juste fait le combat en avance. Okay. Comme ça, j'avancerai direct. Donc, Togepi 25 pour son machin. Ok. Ouais, je pense un sécateur, je vais le garder. Je me ferai pas Diane Mega, je garderai un sécateur. Est-ce qu'il apprend demi-tour? Avec... Oula. Vampigraine, il peut avoir demi-tour. Vampigraine, je le mets à la place de morsure. Ah, que en c'était malheureusement. Ok. Faudra lui apprendre. Aéropique. Oui, Tarsal, viens là. Alors, il donne quoi les Tarsal comme EV? Voilà. Non mais c'est pas il donne de l'attaque spé, ça m'intéresse pas. Il me faudra un Pokémon. Y a pas des Magikarp dans l'eau là? Ok, Tarsal. Alors. On peut faire la même conne. Hop. Super cool. Attends, je vais aller dans l'autre endroit là, enfin derrière le rival pour voir la zone. Ok, baillement, je m'en fous de baillement. Tarsal, tu es quoi? Moins attaque, plus défense PC. Pas du tout ce que je veux. C'est dommage. Oh non, en plus il a mauvais. Ouais, elle me paraît trop fort ma musique. Elle est un peu trop forte. Moi la musique, attends, est-ce que la musique est bonne? Je ne sais pas si la musique est bien. Moi ça va là normalement, mais avant ouais, un peu trop. Route 209, blablabla. Non, elle a l'air d'être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'adore la super canne, moi aussi, elle donne la moi. Alors poids sirène, qu'est-ce qu'il donne comme EV? Moi je veux de la vitesse. Oh là ou là de l'attaque. Tu as oublié ta récompense. L'expérience est tellement bien. Ah oui du coup, hop, je vais retirer ça, sinon Togepi va avoir des EV d'attaque et j'ai pas envie. Pom. Récompense journalière. Nouvelle... Oh. Dropper 36. 4, il me semble. 34. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller vite. Merde. Ça tente beaucoup plus que ce que je pensais. Très bien qu'un sécateur chope une nouvelle attaque, vraiment. Ça et ça, ça dégage. Bon, je suis déjà à 4 Tarsal capturés. T'en captures en boucle et après tu regarderas qui est bien. Mais en fait, le problème c'est que là, je crois que pendant la journée, ils spawnent pas, c'est que le matin et le soir qu'ils spawnent. C'est très possible. Et du coup. Alors 4. Donc XP 1. 5. Ok, ok. On fait XP Togepi. 6. Et bon, rose bouton, c'est pas ouf. Oui. C'est vrai qu'ils sont level 20. 7. 8. Non, lui devrait tanker. 9. Bon, session farming. Hein. Ouais, clairement. Pour l'instant. On est tranquille, posé dans le farming. Non, en fait, j'aurais peut-être d'utiliser lui. Ah non, ok, j'ai rien dit, il spawn même comme ça. Ok. Du coup, c'est parfait, c'est juste qu'il est rare. Là, je vais être à 12. Juste qu'il est rare. Ok. Ouais, moins défense, plus défense, P, c'est pas ouf, hein. On va pas se le cacher. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. J'aimerais un plus attaque, moins défense P. Un truc que j'ai jamais compris avec Pixelmon, c'est pourquoi quand tu t'es sur un Pokémon, tu te déplaces plus et tu sautes avec, tu vas plus vite. Ça j'ai jamais compris. Ouais. Plus genre t'auras pas des pics. C'est bien. Je pense pour du coup. Un quoi t'as dit?
Plus attaque, moins attaque SP ou plus attaque, moins défense SP. Ouais, bah moins attaque SP du coup, si tu veux un Galam. Ouais. T'as la pierre aube en plus. Ouais, j'en ai deux. Ah bah. Ah bah c'est bon. Ça devrait faire. Là je dois être à 15, un truc comme ça. Bah du coup j'ai juste fait mes 30 combats pour le mettre au moins full attaque, mon insécateur et... Ouais. Et après on y go. Oh. Sauf si t'as des EV à faire, si t'as des items... Peut-être ton Tarsal full attaque ou full vitesse. Ouais. Parce qu'en vrai Natsu, si j'ai le temps, j'essaierai de lui mettre un maximum en vitesse. Même s'il est déjà plus vitesse. Ouais. En vrai un sécateur, ouais, au moins plus attaque et après ouais, peut-être de la vitesse ça pourrait être cool. On va dire qu'on est à 20, j'en ai aucune idée, j'ai pas compté. Allez, on va dire qu'on était à 20. Donc 21. Ah ouais. Apparemment, il y a un problème avec ma chambre. Il y a un bruit bizarre qui est dans ma chambre, mais on pensait que c'était le chat, sauf que le chat il est en bas. Ah. Donc je vais aller voir. Ok. Je reviens. Putain, mais ce petit bâtard d'insécateur, il veut pas prendre d'attaque. Hein. Okay. Genre, s'il avait cruel, ça serait monstrueux. Une attaque vol à 90 de puissance de base. Avec son magnifique talent. Déjà coup double, je pense que je le retirerai pas. Parce qu'une attaque a deux fois plus de chance en soi de mettre un crit. Qui genre c'est comme une attaque à 100 de base qui a beaucoup plus de chance de faire un crit. Genre c'est tellement cheaté. C'est tellement fort. Bon, je pense qu'on va essayer d'utiliser tous mes vives attaques et après on considérera que c'est bon. Allez, au moins j'utilise mes 8 vives attaques et après on va le mettre en... Oula non, je vais éviter de faire des combats quand même. Non. On va avancer avec Mister. C'est mon Velux. C'était Allez. Ton Velux. Oui. Et bah oui. Ouais. Alors. Bon. Continuons notre chasse Tarsal. En vrai, je me dis au cas où qu'il y ait la région de noir et blanc qui sort et qu'il y a encore des resets d'inventaire, je vais tout mettre sur moi là. Parce que sinon, je vais perdre des choses. Oula, 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 oula. Comme ça, j'aurai tout. JPP, regardez. Je m'en fous. Bah écoute, Nael, il faut avoir des bonnes connexions. Psycho, salut. Salut à toi. Comment vas-tu? Oh, plein de bonbons, plein de trucs de partout là. Ah. Mais non, ça va. On va tout laisser ici. Ok, toi, bah écoute, ça va super. On est. Le GS Ball, on va la mettre là. On est heureux de refaire du Pixelman. Enfin. Mais moi, j'avais envie, là. Ça m'a redonné envie. Là. Ouais, correct. Juste à cause d'un message, quoi. Ouais, parce qu'il y a un admin d'un certain serveur qui m'a contacté parce que moi, Ival, je faisais partie du staff. J'étais Modo Plus. Et j'ai arrêté parce que bah, ça me saoulait que j'avais plus spécialement le temps en plus. Et là, ça a l'air d'être un peu la merde, genre dans le sens où il y a pas assez de monde dans le staff, je pense. Et l'admin m'a recontacté en mode ouais, t'es dispo. Moi, j'étais en mode Et depuis ce message, bah j'ai envie de rejouer à Pixelmon du coup. Oui, je suis dispo. Donc oui, je suis dispo, pas là, mais on arrive. Comment ça, honte. C'est quoi. Et voilà. Ouais, Togepi, et ça pourrait être intéressant. On est clairement en train de chercher des bons Pokémon. Genre un Tarsal qui a un plus attaque au moins.
Ah mais tu l'as pas eu encore vitesse... Non, je l'ai pas eu encore. Ah. Ah oui, non mais... Ah, je pense que je vais mettre mon Togepi full attack spé aussi. Ah ouais, mais non, mais attends, je peux pas... Non, je pense pas que je vais garder Togepi en vrai. Hein. Parce que plus attaque, moins vitesse, c'est vraiment nul à chier, quoi. Je pense que c'est vraiment... Tu peux pas avoir pire comme nature. Ah, putain. Ah ouais. Genre, c'est affreux. Ah non, il sert vraiment à rien. Après, je me dis, un Galan, ça fait quand même deux... Ah d'ailleurs, j'ai oublié de faire l'annonce. Ah, c'est pas grave. Alors... Ah oui. Pixelmon.fr, partie 3. Hop. Tac. Pom 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 pom. Ouais, donc du coup je vais retirer et Togepi de ma team. Enfin, je vais juste le garder histoire de, mais c'est trop nul. Je peux pas avoir pire comme poké. Merde. Voyons voir. Alors, on y prend en plus, donc stats. Toi, tu es moins attaque, plus défense P. Merde. Il est où l'item que j'avais là? Stats. Moins vitesse, non. Tat. Attends, je viens de perdre un item là, genre. Plus attaque, moins défense P, oui. Il a 10 spawns. Ah ouais, non. Ah ouais, mais non. Ah ouais, non. En soi, c'est si grave, parce que parmi tous les Pokémon qui m'intéressent, je crois qu'il y en a aucun qui se joue spécial, donc finalement, c'est pas trop grave. Okay. Bon bah, j'ai un item pour farmer les EV qui a vraiment disparu. Elle est trop forte cette musique. Galam, tac. Du coup il est... Ah non, c'est pas bon ça. En défense spéciale c'est pas ouf. Le mieux c'est plus attaque moins attaque spé, genre. Si tu veux lui augmenter bah, son offense. Putain. Bon les cleavers on va dire que t'es bon en attaque. Maintenant la vitesse. Défense spé moins défense. Ouais, plus défense P, moins défense, il est pas non plus. Non, c'est pas. C'est mieux d'avoir un plus vitesse ou un plus attaque. Ouais, j'ai un plus attaque, moins défense P, du coup. Ouais, ouais c'est un peu con dans le sens où. Pour l'instant, c'est lui, mais je vais voir. Ce qui me semble, sa deuxième meilleure stat, c'est la def SP, justement. Ouais, non, en fait, il a autant de def SP que d'attaque. Ah ouais. Donc. Ah non, il a 115 et 125. Pardon. Ah bah c'est bon, l'item de Togepi est revenu. Bah il a des pop et il est revenu. Bon. Du coup là. C'est pas ouf. Hop. Oh merde. du coup, on avance? Non, moi je continue. Ah bah d'accord, bon bah moi aussi. Ah non, moi je le veux mon putain de Tarsal sur titre. Attends, du coup. Tac. Que moi, les EV, j'ai un peu la flemme de faire, donc autant que j'ai. Ouais, t'es une bonne nature. Une bonne nature. Ah, attends, Cleaver, il était genre à 60 d'attaque. Oh putain. 94. Ok, pas mal. Ça a une bonne augmentation. Ouais. Bélier, est-ce que vraiment je t'apprends Bélier? Oui. Bélier? Sur Tarsal? Oui. Ah non, sur truc là. Bélier, c'est sur l'oiseau. L'oiseau du ciel. Mmh. Bah, tu l'as appelé oiseau du ciel? Non. C'est pour que tu. Ouais. Oh là là, mais Natsu, il fait zéro dégâts. Attends, il a con. En étant full levé, lui, il a combien d'attaques là? 68. Super. Bon, après, c'est pas encore un simiabrase, mais quand même quoi. Les castornos, ça donne. Des PV ou de la défense? Je pense que c'est des PV. Oh, c'est un beau. Moi, ouais, c'est vitesse et attaque. Je pense que je vais avoir une team vraiment full offense. J'aurai aucune stratégie, juste je vais foncer dans le tas, bah, comme tous les jeux Pokémon. Non. Tu joues contre des ordi. Non, c'est rien, je suis content de. Bon, je pense que je vais utiliser tous mes match punch. Mais là, c'est parfait, je suis.
Là où je suis, c'est full Magikarp et Poissirène, il donne de l'attaque et de la vitesse, donc c'est parfait. Non mais... Il se casse. Reviens là. Mais non mais il est sous un arbre, je peux pas l'avoir. Ah oh, si, je peux l'avoir de par là, je crois. Oh mais non mais... Reviens. Wesh. Alors... Ah c'est officiel, je peux plus l'avoir. Ah si, attends. Bon qui... du coup, je pense pour la rediff... Bonsoir Follen, excuse-moi, j'avais même pas vu. Bonsoir à toi, bienvenue sur ce streaming bien évidemment. Re surtout. Non mais il repart. Ouais du coup objectif on farme les EV et je pense pour on va dire la série sur YouTube avec un peu de montage. Je pense que ça je vais totalement le couper et je vais dire voilà, j'ai fermé les EV sur Natsu, sur Cleaver. Et voilà, histoire de me mettre bien. Parce que Natsu est malheureusement très très faible parce qu'il est moins attaque. Est-ce que si par exemple et Cleaver, il est juste trop fort donc autant le booster quoi. 63 PV de base. Oui. Et qui fait effort. Et qui fait l'autre en 115. Du oui. À 63. Non, c'est une question de pourcentage, il me semble. Hmm. Une question de pourcentage de PV. Mais si t'as un PV, vu que t'es au plus bas, oui, tu vas le mettre à un PV aussi en face. Oui, non, mais si t'es full vie quoi. Non, c'est en question de mon pourcentage de vie, il me semble. Ça serait trop fort sinon, genre t'as des level 1 et. Ouais. Et puis basta quoi. Bah, ça serait incroyable quand même. Ça serait, bien si on pouvait... ça serait bien si on pouvait retirer l'augmentation d'XP, enfin la prise d'XP sur les Pokémon. Comme ça, j'attrape un Galekid. Enfin, je me fais un Galekid level 1 avec effort, fermeté. Je pose la tempête sable, je le mets, je spam effort avec le gros Lococ. Comme ça, je me heal tous mes PV, ma fermeté est tout le temps là, et la tempête sable met des KO. Best strat. Incroyable. C'est une strat, hein. Ça, franchement. C'est une vraie strat, hein. C'est Arceus Killer d'après Fieldrong. Genre, il avait fait ça contre Neoxy dans un combat où c'était vraiment team level 1 contre team Arceus. Et, Incroyable. Bon, sans surprise, hein. Le gagnant fut évident. Allez. En vrai, cette strat, si tu sais pas comment la contrer, bah t'as perdu quoi. C'est vrai. Genre, juste avec des pièges de rock, des attaques deux fois. T'es obligé de réussir ton coup. De retirer la tempête sable. Surtout retirer la tempête sable. Bah. En vrai, juste des pièges de rock, ça suffit, tu vois. Ah, je le mets même pas midlife, putain. Ouais. Oh là 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 là. Oh là là, il m'énerve. As-tu récupéré ta récompense de jour? Oui. 10 Super Bowl. Oui, j'ai tout pris. On va faire Cleaver du coup. Où es-tu sorti, toi? 75 de vitesse. Hein. Je pense que Cleaver, ça va être mon Pokémon le plus puissant pour l'instant. Attends, je regardais la tier list du coup. Quel sera mon. Sachant que je vais retirer Togepi, mais là en Pokémon qui m'intéresse, Givrali, Lucario, Karchakrok, donc j'en prendrai deux parmi eux. Givrali je le prendrai, après Karcha ou Lucario, bah le premier qu'on rencontrera. Ils sont level combien tes Pokémon pour l'instant? Quasiment tous 30 là. Ou du moins je crois ils le sont déjà, mais non, Cleaver ne l'est pas. Grignot, Pokémon, Diamant, je vais regarder où est-ce qu'il est dispo, parce qu'il me semble que c'est pas dans méga méga longtemps qu'on peut le trouver. Ah ouais, level 15, la joie. Avant tout, je vous recommande de vous munir de coupe, force. Ah, rendez-vous à Charbourg. Dirigez-vous vers le nord de la ville, avancez jusqu'à percevoir l'entrée de la piste cyclable. Ah mais en fait, on peut déjà y aller. Mais il nous faut force. Mais on aurait déjà accès à l'endroit, en vrai. Ok. Attends, force, Pokémon, diamant. Quand est-ce qu'on l'a? Où trouve-t-on la CS Force? Se trouve dans la tour perdue du cimetière à Bonville. Et Bonville, il me semble, c'est genre 4ème badge ou là. Je me souviens plus trop, mais il me semble que là, ça va être très bientôt. Donc, si t'es chaud, on peut aller chercher Grignot si t'en veux. Hein. Est-ce que j'ai vraiment envie d'un Grignot, sachant que j'ai un Drabi? Ah oui. Bah là, comme tu veux, du coup.
Oh, mais moi, moi il me faut un gros monstre. Bah, du coup, si je vais le capturer, je vais le laisser dans mon PC. Et, après le stream, je. Ouf. Hein. J'irai farmer les EV, mais je pense quand t'es pas là, quoi. Ouais, clairement. Je mettrai full attaque, full vitesse. Hein. Je vais avoir que des Pokémon offensifs. À part Givrali, tout le monde sera offensif. Du coup, ouais, dans ma team, je pense, je ferai Cizayox, Luxray, Etoraptor, Simiabraz, Givrali, Karchakrok. Et au pire Lucario si j'arrive à avoir la méga, mais je pense pas qu'on les aura. De toute façon, pire, t'as déjà ta méga toi dans ta team, hein. C'est vrai que ça. Mais non, je préfère un Lucario. Mais même les méga, on les a pas, on ne pouvait pas les avoir dans Owen. On pouvait les combattre par les dresseurs, mais jamais on pouvait en. Jamais on a eu l'occasion, nous, d'avoir une méga sur nous. Mm-hmm. Donc j'imagine que là ça sera le cas aussi. Ouais, ou alors ils vont changer un peu quand même. Bah je crois pas, hein. Là pour l'instant rien ne change. Hein. À part des trucs qui sont trop chiants, genre les concours tu vois, c'est vraiment très fidèle. Hein. Ok, ok. Enfin il y a l'Undertrade, bon, mais le Undertrade c'est l'échange miracle quoi, je crois que ça existait déjà à l'époque. Ça serait trop bien qu'ils le remettent. L'échange miracle et la GTS, c'est tellement bien ça pour remplir son Pokédex. T'es pas obligé d'avoir des amis pour le faire du coup. Tu vas prendre les remakes. Je sais pas. Faudra. Plutôt diamant ou perle toi? Diamant. Comment on va faire pour les Pokémon de perle? Parce que j'ai l'intention de chasser dans le jeu. Sur un compte, je vais faire le let's play et après je vais faire de la chasse, donc au passage Pokédex. Et sur un autre compte Switch, enfin de Nintendo Switch, je ferai du speedrun je pense. Mon premier Pokémon, vrai jeu Pokémon que je speedrunnerai, sera Diamant Étincelant. Je pense que la run ça va être exactement la même que. Quasiment exactement la même que. Que sur les jeux d'origine. Donc bon, on verra bien. J'en ai aucun qui vient, quoi, c'est sérieux. Tu as ma malédiction, la malédiction de la mauvaise nature. Bah j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai capturé 9, y'en a aucun qui est Ça va. Mais tu veux quoi comme nature? Bah, plus attaque et hein. Pas de moins vitesse. Plus attaque, moins attaque spé, ouais du coup. Et moins attaque spé ou moins défense. Hein. Ouais. Les 265 ou moins PV, je m'en fous. C'est pas possible mais. Tiens attends, en vrai j'ai une méga canne sur moi. Je peux pas pêcher des monstres là. ZP quoi. ZP. Et là, paf, Léviator. Shiny, méga. Méga Léviator. Ouais, mais méga, ouais. Ah, j'ai une morue. C'est pas la même chose. J'ai eu du poisson. En vrai, un petit prédastéré. Comme ça, j'ai un type haut. Barloche, nul. Barloche. Ouais, je passe. Ouais, Prestai, ouais. Ouais, si on peut l'avoir, ouais, je la prends. Ah, voilà. Je te le capture, je te le passe. Ah, oh, ouais, avec plaisir. Ouais, normalement, j'ai une méga canne aussi, moi. Où est-ce qu'elle est? Bah, dans ta. Elle est là, ouais, j'ai une méga canne aussi. Ah, ok, bon. Bah. J'ai une Evolu Rock, une Pierre Éclat, une Écaille Draco. Ah, d'ailleurs, Écaille Draco. J'ai l'impression qu'on peut pas. J'ai l'impression, là, j'ai que des barloches level 10, donc j'ai l'impression que vraiment c'est selon la zone. Ouais, c'est selon la zone. Ah merde, ouais, donc non, j'aurais jamais rien de bien. Tant pis, bah je vais continuer mon farming, hein, jusqu'à ce que j'ai plus de vive attaque. Je pense que d'ici là, j'aurais fait mes 30 kills. Là, je n'ai plus de Tarsal depuis un moment, malheureusement. C'est chiant. Ça commence à être long. Ah bah... Tarsal, tu sais. Allez, toi, tu es le bon. Je le sens. Mmh. On verra si le jeu le veut. Souviens-toi, le jeu ne veut pas. C'est vrai. J'ai oublié ce détail. J'ai oublié le détail. Je ne veux pas. Mais oui, non. Bah, tiens, un autre Tarsal. Mais c'est incroyable. Tu veux dire. Encore. Ouais. Hâte. Mais j'en ai marre. Mais il apprend que des attaques de type normal. Genre je crois il a pris que coup double comme attaque offensive.
Par contre, ce, il m'énerve cet insécateur à ne pas apprendre d'attaque du tout, genre. Oh, toi, tu résistes bien, c'est-à-dire que tu es puissant. Non. Il a talent caché. Je sais même pas c'est quoi le talent caché de... C'est... Merde. Comment ça s'appelle? C'est pas le truc genre tu te prends des attaques ténèbres, t'augmentes ton attaque ou tu fais un kill non. Et t'augmentes ton attaque? Non, c'est le truc où tu prends pas les attaques, les dégâts de tes adversaires, de tes alliés en... Mais c'est nul. Surf. Ouais mais c'est celui de... C'est celui de Galam, c'est celui de Tarsal. Et celui de Galam du coup... Galam... Merde non j'ai fermé, je suis débile. Ouais c'est cœur noble, c'est plus ça en attaque suite à une attaque ténèbre. C'est pas... C'est bien. Ouais c'est bien mais... Bon Cleaver, comment ça se passe? Donc ma team ouais, il y a juste Oiseau du Ciel qui a du retard, sauf que vu que lui il prend l'XP à une vitesse scandaleuse, ça va. 99 en vitesse et 104 en attaque, Cleaver. C'est coup, plutôt pas mal, hein. J'ai Torterra 35. Natsu 89 en vitesse, ouais, c'est très peu. Tor 34, Togepi 26. Ah, mais même Torterra il va vite. Bah, tu sais, j'ai Tor 34 et Torterra 35. Moi. Ah! Après, le reste de ta team a beaucoup plus de retard, j'imagine. Mon Drabi 26, mon Togepi 26 et mon Luxio 26. Ouais. Voilà. Donc ça va en soi. Moi je suis un peu plus... plus attaque, moins défense P quoi. C'est pas... Tu peux pas avoir juste moins de défense. Moins attaque, plus attaque SP. C'est un putain de quart de voix. J'ai envie de Galam. Bon, normalement, je fais une dizaine de kills avec Natsu, ça sera bon. Bah, je pense que je vais faire Nala et. Je vais me faire Nala et comment? Et Oiseau du Ciel, mais surtout Oiseau du Ciel d'abord, vu qu'il a un peu de retard. Bon, bah, j'y retourne, hein. Bon, bah, let's go. Bah, full lever nos Pokémon qu'on gardera, qu'on sait qu'on gardera. Je crois, Diamant et Perle, genre, sur les Pokémon des premières routes, c'est les plus puissants, toutes générations confondues. Ah ouais? Enfin les plus intéressants genre, enfin Luxray c'est un type électrique qui a une bonne attaque quand même. Ouais. Donc en vrai c'est cool, intimidation. Aetoraptor pareil, sauf que c'est un oiseau, genre parmi les oiseaux normaux c'est clairement le meilleur quoi. Parmi les oiseaux de type normal. Oui, il y a Close Combat, il a un rapace très 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 puissant du coup aussi. Pareil l'intimidation donc il en impose, il a du charisme, beau shiny. Il y a tout pour plaire. Beau cri. Je te vois. Non mais dégage, putain. Laissez-moi aller vers mon Tarsal. Ah, ça a pas augmenté du tout sa vitesse. Ah bah ça veut dire qu'il est déjà full levé en fait. Putain mais il est lent du coup. Tant que Cleaver il a 99 en vitesse. Ah oui mais après Wistik, enfin Chimp en fait il doit pas avoir une vitesse de malade, c'est peut-être pour ça. Tant Chimp... J'ai tué un Tarsal. Ah oui, il a que 80, oui, ok. Il y a 30 de différence, c'est peut-être pour ça. Okay. Oh quoi, Tarsal téléporte? Non, c'est sérieux. Bah on va partir sur l'oiseau, du coup. Il est où? Il est là, il s'est téléporté là, comme d'habitude. Reviens là. Ah mais il est où? Ah, il est là. Toi, je te promets que je vais te capturer, toi. C'est bon. Donc, objectif... 30 kills. Fuir, c'est mort. Merde. C'est quoi cette boule là? Ah c'est mon tout qui pleut. 3. Je te vois, il y a un point blanc, je me disais quoi ça? T'es quoi tête boule? C'est ton Pokémon. Ouais c'est ça. Là on est en train de faire ce qu'on ferait plus sur Pixel Axe. Plus attaque, moins vitesse, mais... Mais s'il y a un post-game un peu comme ON qui est original par rapport au serveur, on va changer totalement nos teams, je suis sûr. On va reprendre des Amphinobi et tout s'il y a. Ouais. Alors tu sais pas comment les gens ils les auront eu, mais ils les ont quoi. Petit Amphinobi protéin, là j'ai déjà leur bevis en plus. Ouais, je l'ai aussi genre. Alors bevis, j'ai des vestes de combat, j'ai des casques bruts, ça peut être utile.
Pourquoi je rate là? Ah putain, je suis confus. Oh, j'ai le bug, tu sais, où ta souris elle revient tout le temps au milieu. Ah, je... oh, putain, ça existe toujours ça. C'est trop chiant. Très chiant ce bug, hein. Depuis que je joue à Pixelmon, je crois qu'il existe. Il a jamais été. Ils l'ont jamais corrigé. Non, jamais. Pareil, les problèmes de end battle, bon, ils sont beaucoup moins. Beaucoup moins, comment ? Communs qu'avant, mais il y en a quand même. Mais ça va parce que au moins tu sens qu'ils ont fait un effort sur ça. Ouais. Là. Mais la commande end battle, je sais pas si c'est genre les serveurs qui la mettent en place ou si c'est de base sur le mode. De base, il rentre avec la première ou deuxième ball. Là, évidemment, ça fait 5 balls, il rentre pas. Puis quand j'ai le bug, quoi. Merci. Ouais, du coup, la souris revient au milieu de l'écran. Ouais, bah en fait, je peux cliquer sur le truc objet. Mais le truc Pokéball, à chaque fois que je clique dessus, ça me remet dans, dans le menu et en plus. Ah ouais, bah livre le combat en vrai. Hein. Non, mais c'est bon, en fait, je devais genre faire des doubles kicks ultra rapides. Donc voilà. Parce que c'est vraiment chiant ça. Hein. Ouais, c'est casse-cou. Bon, j'imagine que là on est bon en EV, je sais même pas ce que je suis en train de farmer, mais j'imagine que c'est bon. Attends, c'est quel EV que je farme là? C'est vitesse. Ouais, non, c'est je... Moins attaque, plus attaque SP. J'en ai deux parfaits pour... Pour garde-voir. Moins attaque... Non, plus attaque, moins vitesse. Hein. Ça peut être... Ouais, non, mais... Alors. Ça me terrifie. On a pas un peu là des poissons? Merde. Ah, ils spawnent peu, je les assassine trop. Comment on peut avoir aussi peu de malchance? Autant de malchance, pardon. Là, j'arrive pas à parler tellement que. Aussi beaucoup incroyable. De temps de malchance, ce n'est pas possible. Non, mais c'est incroyable, sérieusement. Parce qu'en vrai t'aurais pu en prendre un passable, genre ni moins vitesse ni moins attaque, ouais. Puis basta quoi. Et tu l'aurais EV, là t'aurais fini. On va dire qu'en vitesse, oiseau du ciel, s'il est KO c'est bon. Ah mais non j'ai vraiment un flemme de EV, c'est bon, les EV ça me casse les couilles. Ah en vrai faut juste faire 32 kills hein, par statistique. Oh. Faire 64 kills du coup. Ouais. Genre là, je l'ai fait avec deux Pokémon. Là, je suis en train de faire le troisième. Je sais pas si je ferai Luxray. Je vais regarder ses stats avant de. Alors. Les stats de Luxray. Ouais, au moins la vitesse. L'attaque, il est plus attaque, donc c'est moins grave. Au pire, vas-y, c'est pas grave. On a bien fait toutes les autres régions sans les EV. Les yeux. Ouais, mais moi je voudrais garder ma team, tu vois. Parce que moi les. J'avais clairement garder ma team. Ouais, mais surtout pour le post-game en fait. Ouais, bah, mec, parce que Luxray c'est pas grave, mais tu vois, Simiabraz et Turaptor et Scizaiox, eux, c'est clairement des Pokémon que je peux utiliser en post-game. Alors que Luxray il est clairement pas assez bon pour. Poison, pendant que je marchais, c'est incroyable ça. Si j'avais Luxray avec son talent caché, c'était bon, mais. En vrai, vas-y. Mais là, non, du coup. Je vais prendre. Moins attaque, non. Plus attaque, moins défense P, tant pis. Alors, sa vitesse, elle est de 74. Ouais, allez. Voilà, c'est bon, j'ai mon Tarsal. Du coup, on continue ou tu veux farmer un peu des levels ou. C'est bon, on continue. Okay. J'ai le Omni-Exp, donc je m'en fous. Ouais. Attends, moi, il faut juste des items. Bah, je vais mettre l'orbe vie sur lui. Veste de combat sur toi. Ah non, charbon. Voilà. Bah, du coup, je vais laisser Oiseau du Ciel en first. Et, si je dois faire des kills, bah, je les ferai. Pour augmenter son attaque. Est-ce qu'elle est pas si élevée? Ah, t'as déjà fait ce combat? Non, merde.
Ah mais en fait y a un gars qui est... Oh putain, j'avais même pas vu qu'il y avait des trucs ici là. Ok, tourvel le 25. Super balle. Ah oui, il y a du monde. Ah bah il y a des Tarsa ici. Il est tourvel level 25, j'ai tour raptor level 35. Putain. Tellement d'avance. Ouais, si ça se trouve là, j'aurais tour raptor sur ça. On sait bien, malgré que mon item me divise ma vitesse par deux, je reste plus rapide que tout le monde. Putain, il est énorme ce Magikarp. Rimplop. Rimplop. Pom pam pam pam. Ponyta. Oui. Au revoir, Ponyta. Mon Luxray, il a one shot tout le monde. Rappel psy, oui, à place de téléport, évidemment. Ok. Pom pam pam. C'est mon Luxray, moi qui a vraiment one shot tout le monde. Ah merde, j'ai perdu mon Rabi. Aïe aïe aïe, il faut retourner en arrière pour laisser du temps. Bonjour Timo. Oh, tu... Timo. Timmy. Timmy. Timmy Bear. Timmy Uber. Tu connais cet épisode ou pas? Ça me dit quelque chose. Ah, yeah. C'est un épisode marrant. Ah, ok. Comme beaucoup, dis que donc. Ça fait beaucoup là, non? Beaucoup d'épisodes marrants, hein. Encore du fun, putain. C'est fou. Mm-hmm. Ok. T'as la canne là si tu veux, récup. Bah fais le combat en vrai derrière si tu veux. J'ai la canne mais au pire c'est pas grave parce que j'ai la méga canne. Ouais moi aussi. Mais tu vois comme ça, t'as les deux, ouais. Tu fais la collecte des cannes. Ouais ouais bien sûr. En tant que pêcheur. Luxueux le 23. Écoute. Ah mais bah, on va rouler sur le jeu là. Un peu ouais. Moi je suis EV, toi t'avances en level. Ah bah bélier. C'est bon, il l'apprend. En vrai, m'en fous. J'ai gardé Vive Attaque, je pense que j'ai gardé Effort. Oh, c'est parfait ça. Ok, bah c'est bon, j'ai mon... Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai juste mon Ectoraptor et mon Torterra pour les combats doubles, en fait. Torterra, Séisme, Ectoraptor... level 36, quoi. Ectoraptor close combat et Torterra, Séisme. T'as déjà ouais, séisme? Ouais, bah. C'est en évoluant qu'il a séisme. Ouais. Je sais pas, j'ai eu qu'une fois un Torterra dans ma vie donc. Je ne sais point trop. Okay. Bon, je farmerai plus tard. Combat double, vas-y. Ah, il m'a endormi le Staloppio. Pom pam pom pim pam pom. C'est chiant par contre les combats doubles, à chaque fois que je vise un Pokémon il attaque pas le. Ils attaquent pas les bons, c'est trop chiant ça. Ah ouais je comprends. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Evoli. Ah merde, il y avait un autre dresseur. Pff, en vrai un Luxio je le two shot. Ouais, vas-y fais-moi gros dieu, ça me dérange pas. Voilà. Un peu le bordel par là hein, quand même. Évolution. C'est vrai qu'il est géant mon Ectoraptor, normalement il sera très très grand il me semble. Il est grand? Je sais pas. Bah attends. Bon attends, je vais retirer. Ah non. Mais moi j'en ai un énorme il me semble. Ah non, un géant. Énorme. Ah oui, 112 moi, d'attaque. Ordinaire. Oh, ah mais oui. Du coup. C'est pas mal. What? Oui. Putain, c'est cool qu'on ait pas besoin de vol pour faire ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il y a même pas d'item. La barre d'entière peut contenir vos objets importants. Non, c'est vrai. Ah bon? Ils ont vraiment mis ça là. Attends. Ah oui, bah, et toi, Raptor, juste vive attaque là, il fait mal du coup. Bonita. T'as des Ponyta sauvages là ou des combats? Non, c'est un combat. Ok. Bah, il me semble qu'on va pas tarder à être au niveau du ranch, mais je suis fin. Là où il y a des cowboys. Si le jeu est bien fait, bah normalement, du coup, il y a l'explora kit. Donc on pourra aller dans des souterrains. Et ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir Spiritomb. Mais je pense pas qu'il. Je sais pas, vu qu'il y a pas Motisma, je pense pas qu'il y ait Spiritomb. Ouais.
Putain, il est alors, énorme cet éboli. Aéropique. Papom, papapalopap. Ouais, c'est ici. Du coup, c'est normalement ici qu'on est censé avoir Spiritomb. Ouais, je suis encore poussé par une un truc là. Ah ouais. En vrai, ah, je pense que ça doit être peut-être le post-league, non? Ah, c'est possible. La barre d'envoi. Non! Ah, y'a pas les météorites de Deoxys. Ah, poussière d'étoile. Si, normalement, t'as les météorites. Ah bon? Bah, ça, c'est une météorite. Non, mais vraiment des items. Non, mais vraiment des items de météorites, genre, y'en a normalement. Ah. Attends, le Ponyta me dépasse. Ah, bah oui, je suis divisé par deux. C'était quoi ça? Oh. Bonville. Ah bah c'est ici qu'on peut. Ah bah attends, voilà. Oh le Vénard. Oh, Skelenox, Phantominus. Intéressant ça. Un petit ectoplasma. Tu es dans le sanctuaire des âmes. Silence et respect pour son demise. D'accord. C'est pas ici qu'on a force. Sans moi. J'ai la tour perdue. Plus on monte, plus boire s'épaissit. Ah. Tu n'as pas la capacité en vrai, Brum. Bien chaud de capturer un Phantominus à la place de mon Étoraptor du coup. Donc logiquement vu qu'on n'a pas anti-brume. Oh attends bah autant faire les combats. Pierre au vol. Okay. Ouais. Papom. Ah mais Étoraptor il va trop XP là. Bah putain il est déjà le L36. Fait chier. On va mettre Nala. Papap. C'est bien qu'on m'agresse pas là les Pokémon. Quelle bonne putain de merde quand je dis ça. C'était sûr. Mais laissez-moi tranquille. Je veux juste voir s'il y a des Pokéballs à prendre. Non, y'a rien. Bah, je vais essayer de monter en haut, mais si on n'a pas anti-brume, bah c'est mort quoi. Ouais, moi du coup je capture des Phantominus. Hein. Mais quel brouillard, y'a pas de brouillard. Faut chier avec un brouillard qui n'existe pas. Capture des Phantominus et je prends le plus intéressant. Comme ça au moins, y'a pas de problème là-dessus. S'ils veulent bien rentrer, parce que s'ils rentrent pas, c'est. Ah, j'ai plus de. Ah, Match Punch a touché le bon perso. Mais en fait, c'est ça, quand tu tapes un Pokémon, enfin quand tu vises un Pokémon, tes deux Pokémon vont le viser. C'est tout. Non. J'ai voulu taper le deuxième avec l'un et. Enfin, et du coup, bah ça a pas marché quoi. Enfin, sans surprise, mais. Et voilà quoi. Allez, plus qu'un level, Natsu. Vous avez trouvé un poké coffre, mais on ne sait pas quoi. C'est cool en tout cas. S'il vous plaît. Pokéball, s'il te plaît. Fais rentrer ce Phantominus. C'est un putain de Phantominus, il est pas censé. C'est pas censé être dur à prendre. Dur à capturer quoi. Bon, par contre, vraiment ils ont parlé du brouillard, mais. Et toujours pas eu. Hein. Bon, là je vais juste monter tout en haut tranquillement et puis basta quoi. Bah, y'a un petit brouillard quand même. Mais moi j'ai rien. Hein. Il me reste que deux balles. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir le capturer. Ah, est-ce qu'il va m'envoyer la team full Pikachu Pichu là? Ah ouais. Change éclair! Oh! Ok, bah je peux pas capturer. Dégage, cruel. Quoi? Ah, mais il dort, bonne chance. Oh, c'est bon, il m'a saoulé. Ah, c'est bon, je suis tout en haut de la tour. Mais attends, où est-ce qu'on a force du coup? Je crois que c'était ici. Se trouve dans la tour Pertus, cimetière à Bonville. C'est au sud-est de la pension. Bah ouais, mais j'y suis du coup. Ah, c'est vrai que Barloche il est sol, putain. Ouais. Ah, j'avais oublié ça. Je savais que son évolution était sol. Oh, quoi, Tarsal évolue, quand même. Parfait. Je n'y vois rien, le brouillard est si spécialement, le brouillard pouvait s'envoler, mais doute avec lui. Et les deux me disent ça. Mais j'ai même pas de brouillard. C'est quand déjà qu'il faut que je fasse évoluer en Galam? Ah oui, il faut pour avoir certaines attaques d'abord. Ouais, attends, je vais regarder.
Gallam. Alors viens voir ses attaques. Départ, level. Ah non, merde, non, attends. Non, Kyria, pardon. En vrai. Offerte par une vieille femme au sommet de la tour dans diamant et perle et dans platine devant l'entrée de l'île de fer. Ah ouais, donc en fait, non, on l'a pas tout de suite. Kyria. Oh, mais attends, c'est un mâle ou pas? Putain, c'est une femelle. Bon bah j'imagine que c'est pas dans un tour perdu du coup hein, qu'on peut l'avoir. Les pierres ovales. Merde. Easy record. Oh fais chier. J'avais pas pensé à ça. Ah bah là... C'est la première chose à faire. Merde. Regarder la nature c'est... Ah mais ça veut dire t'as capturé des mâles et des femelles. Ouais. Ah ouais bah non, fallait prendre que des mâles. Ouais, ouais j'ai pas... Débile. Je suis vraiment con. Aïe aïe aïe. Coup dur pour Nico. Bon bah je vais au moins faire le combat s'il y a un combat à faire. Là-haut. Blablabla, j'ai des sauts mais j'ai oublié de les emporter. Parce que j'ai tellement de runes, il faut absolument l'éviter, c'est un endroit. Je viens de trouver une capsule secrète contenant anti-brume. Quoi? J'étais dans les ruines, mais quelles ruines? Bah ouais, y'a absolument rien là-haut. Mais attends, mais il m'a parlé de ruines, mais... Ah merde, j'avais pas fait ce combat. Dégagez. Allez. C'est bon, vous faites chier. Mais attends, mais c'est ça qu'il considère comme des ruines ou... La tour perdue. Ouais mais c'est chiant s'il me faut anti-brume, hein. Mais j'ai l'impression... Ah mais où est-ce qu'on a anti-brume, hein? Anti-brume... platine. Où trouver anti-brume, hein? Elle se trouve dans les ruines à Bonville, c'est un vrai enfer pour en sortir, je vous conseille vivement d'acheter une corde sortie avant d'entrer. Ouais, oui. Mais les ruines de Bonville, c'est pas pareil du coup. Sûrement. C'est pas là. Ça pète les yeux. Y'a pas des petits trucs là? Non, ok. Bon, je sais pas, ouais. Où est-ce qu'elle pourrait être? Bon. Voilà. La ville des cowboys. Pom 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 pom. Pension, oh! C'est intéressant. Ça va être bien. Tu veux tester un. Pension 1 et 2. Ah, pour farm les œufs. Pour les œufs. Ah, les EV et les IV, tiens. Alors. Les EV de Nala. Bah, ils sont pas du tout faits, ça m'étonne pas. Graouet et. Alors. Lui. Donc, oiseau du ciel, il est bien, il a juste un. Ouais, ça va. Natsu. Il est full attaque. Le PKH, c'est quoi le PKH? Ok. Le PH. Le PKH. Non, le PKH. C'est quoi? Je sais pas du tout. Hidden Power is poison type. Okay. Ah, Cleaver. Ouais, Cleaver, il est parfait. Genre full vitesse, full attaque. 57. Ah, du coup, 40. Nala en vrai. Nala en vrai, let's go. 54. 40. Attends, oiseau il est à combien? Ah mais il est déjà 100%, ok, bah hop. Mec. Oui. Fais chier quoi. J'ai tous mes Pokémon qui sont en IV qui dépassent pas les 54. 57%. Oh, merde. 56, 36, 57, 40, 54, 41, 41. Alors moi mon oiseau du ciel, il est 55%, il est juste à... Il a 2 en vitesse mais le reste ça va. Cleaver. Cleaver, coup, oui, il est très bien partout sauf en attack spé, donc Cleaver est clairement mon Pokémon le plus puissant. Parce qu'en termes de V, il est vraiment full opti. Là, il a dans l'ordre, il a 26, 27, 28, 3, 29, 23. Donc il est vraiment très très bon.
Nala 54% et elle est nulle. Elle est nulle, c'est juste dans les 3 dernières stats où elle est cool. Et Chimp en feu. Putain, non mais. Chimp en feu, faudra que je. Ah, mais attends, je l'ai mis full attaque, mais. Ouais, tant pis. Hein. Il a 12... il a 13 en attaque, 30 en attaque spé. Putain, mais ce petit bâtard là, il est vraiment là, genre, pour que je le joue spécial normalement. Hein. Genre, il est moins attaque plus vitesse, c'est parfait si tu veux le jouer attaque spé, mais mec, c'est un semi-abras, j'ai pas envie de le jouer spécial. Du coup, j'ai pris un Tarsal mal et il est moins défense plus cette défense spé. Ok. Qui est correct, hein, même si c'est pas extraordinaire. Et voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire ici. Ah ouais, voilà, la zone des Ponyta. Alors, achetons des Pokéballs. Je sais pas où sont les ruines par contre. On va prendre pour 10 000 ans. Let's go. Allez hop. Peut-être par là, non. C'est bon, Pokéballs sont achetés. Mais il a que des shiny lui, c'est incroyable. Il fait l'aventure avec des shiny. Il fait un shiny lock. En vrai, c'est horrible de faire ça parce que tu mets 20 ans à farmer un shiny et bah c'est un nuzlocke. Donc, ouais. Tu perds ton poké. Au revoir. Mais il y a des Ponyta là du coup. Attends, mais j'ai pas fait ce combat. Ah si. Ah bah si, le Ponyta 24 c'était le sien, d'accord. Je croyais que c'était moi qui l'avais combattu. Ah. Oh, le vénard. C'était trop drôle. La petite boule de merde qui défonce Ponyta. Oh putain. Mais attends, mais il y a beaucoup de choses. Okay, alors, comment, Pikachu. Comment c'est quand même mort sur one shot. Non. Oh, Ponyta et Galopa. Bah, séisme. Ah, je me souviens de ce dé-là. Ah oui, bah là, séisme. It's instant finish. Oh, putain, Lucio évolue. Il y a beaucoup de Levenard ici. Ça va bien. Moi je bute les Ponyta et les assincateurs que je vois pour les IV. Il est beau quand même l'X-ray. Hein. Putain. Viens là. Ah, tu peux bon. Ah si, on peut monter dessus. Papom, papa, para, pap. Oh merde. Très concentré apparemment. Oh putain. J'ai pas changé la catégorie en plus. Oh, merci à Neve. Ah, c'est toi qui m'as notif sur Discord. Ah non, c'est sympa. Bah écoute, je vais changer ça maintenant. Merci de me l'avoir dit. Je suis. Ouais, désolé, je regarde pas le chat. J'y pense absolument. Oh, il y a des Levenard. C'est ce que je t'ai dit à l'instant. Pardon, j'ai pas écouté. Mais c'est trop bien. Bah merci à Neve. Minecraft, hop. Voilà. Oh, let's go. Ah bah parfait, mon Tarsal est... T'as vu Bunny Girl Senpai toi ou pas? Non, j'ai pas vu. Parce qu'il y a Zampa là qui a regardé hier l'anime, il se les one-shot. Il a dit c'était trop bien, mais j'ai mis 9. Je lui ai dit t'as pas vu le film, c'est pour ça. Il m'a dit bah non, pourquoi? Et là il vient de le voir, il est passé à 10, bizarrement. Ah. Ouais, j'irai peut-être le voir un jour. Incroyable. C'est son. J'ai regardé sur myanimelist. Ah merde, mais je suis contre un raquet que j'ai pas vu. C'est son 3ème 10 sur 10 du coup. Après Naruto et One Piece. Autant. Ah, putain. Là au moins j'en ai mis un peu plus de 10 sur 10. Ah merde, Nala est KO. Attends, bah je vais marcher avec Eva Sorez. Hein, oh, un Noirfang. Ouais, y'en a. Mais c'est trop bien qu'on puisse voir les EV par contre. Quelle bonne idée. Je sais pas si dans les vrais jeux tu peux voir les EV aussi ici. Ou le Damoclès, hein. ça peut être intéressant. Pas bon. Damoclès sur Oiseau? Non, sur... Luxray? Sur Togepi. Ah. Genre là, Damoclès. Ouh. Attends, j'ai regardé si un sécateur donne bien des EV attaque ou vitesse, parce que j'en bute, pardon. Mais c'est, ça se trouve...
il donne de l'attaque et Ponyta il doit donner de la vitesse quand même, genre c'est un Ponyta. Oh, Grosse Shida évolue, nice. C'est vrai qu'il ouais, va au niveau 30 lui. Incroyable. Par contre je ne vois rien, je vois clairement l'intérieur de son corps. Il a changé de couleur, qui est devenu blanc d'un coup. Ce qui est normal. Et Abri. Abri, non, j'ai pas envie que t'apprennes Abri. Mais c'est trop bien Abri, oui. Très bien, quand t'as toxique. Ouais. Genre en plus, tes adversaires ils sont cons, je suis sûr que tu utilises ce genre de strat, ça va super bien fonctionner. Ah, du coup, il a combien? Ah, mais du coup, il est moins défense que les attaques spé, c'est dommage quand même. Parce que défense, il a 61, même s'il est moins défense. Ça va. Bon, je sais toujours pas où se trouvent les ruines par contre. Hein. Ouais, je sais pas non plus. Ah merde, je l'ai pas vu. Est-ce que je one shot? Oui. C'est beau, c'est beau. J'ai pas osé ping, non. Mais de toute façon, le problème, c'est que maintenant, même, j'ai des. Vu que je participe à 20 milliards de concours sur des serveurs Discord, j'ai plein de ping tout le temps et ça me saoule. Parce que du coup, bah, je sais pas s'il y a vraiment des. On va dire des pings intéressants pour moi ou non. Donc j'attends que tous ces concours s'arrêtent et après, je vais quitter tous ces serveurs-là. Et voilà. Mais n'hésite pas à ping en vrai pour ce genre de choses. Parce que. Voilà. Genre tu dis dans le chat et si tu vois que je vois pas au bout de 2 minutes, fais-moi un ping. Hein. N'hésite pas, hein. Comme ça sur le Discord, il y a des messages dessus. Oui. Comme ça plus de parlotage on va dire, plus de parlotte et c'est très bien. Ça me dérange pas, de ping, moi j'aime pas les notifs, j'aime pas les pings. Mais si c'est un truc comme ça, oui faut pas hésiter. Hein. Papa. Ah ouais d'accord, donc on peut pas passer même si. S'il y a pas de... Super. Parce que je sais qu'avec les rôles, j'ai regardé, tu peux désactiver les pings. Tu peux empêcher que les gens te pingent. Ouais. Selon, ouais, avec un certain rôle. Enfin, que okay. de pouvoir mentionner tout court quelqu'un en fait. Ok. Et si on a envie, on peut retirer, donc c'est pas... Voilà, c'est pas grave. Les cabanes du lait fraîchement. Ah bah ils sont là les psychoquacks. Ok, donc je m'étais trompé, ils sont ici. Bah de toute façon on va te prendre l'arrosoir non il me semble. Non je sais plus ce qu'il faut pour les aquacoc. Oh. Guinfrex. Ça va je fais des bons dégâts malgré ma brûlure. Plutôt bien tout ça. Ah merde ça refait le même problème. Ah merde je suis tu l'as tué à ma place. Ah. Bah, du coup, j'ai ah mais du coup mon combat il est bugué aussi. Parce que je vois pas ce que je combats. Oh non. Je suis un connard. Je suis allé trop vite j'aurais pu avoir des restes. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a drop des restes là sur la fin. Ah ouais, c'est un Guinfrex. Ah putain. Mais attends, mais c'était un Guinfrex sauvage ? Non, c'était le gars qui avait un Guinfrex. Mais quand j'ai fini le combat, il m'a proposé des restes. Est-ce que synthèse c'est mieux que Vampigraine ? Non. Oui, en effet. Ah mais non, mais du coup, putain, je peux pas le recombattre donc je peux pas voir les restes aussi. Ah. Bah fallait pas. Un. Voilà. Du lait me meuf. Ouais. Alors on va voir les gilets jaunes là. Ah c'est pas pour tout de suite a priori. Parce que quand on est dans le il faudrait quelque chose pour les aider. Ouais bon on va aller à la pharmacie qui arrive là. T'es où ah. Ah, mais c'est chiant on avance à la même vitesse qu'un mec donc on doit s'attendre à chaque fois pour les combats. Binoclier il a celui-là. Ouais. Oh Maril. Ah. Mec, non mais regarde mon combat s'il te plaît. Regarde la boule. La petite boule à côté de moi. C'est mon Pokémon. Ça n'a aucun sens. Attends. Ah oui mais là normalement hey. Ici. Ah si c'est. Regarde une plus grosse boule. Normalement dans cette zone, il me semble c'est la. C'est un peu une zone où il pleut tout le temps si je me souviens bien. Donc là on va à l'arène combat. Je sais plus comment elle s'appelle la ville mais il y a un repère galaxie, il y a le casino. Ce serait bien. Alors Archiomir j'espère coup double. Ah ouais je fais mal quand même. Oh non pas honte folie, vous me cassez les couilles. Mais non mais je suis paralysé, je suis endormi, enfin je suis confus et endormi. Oh là là. Il pourrait d'un pour dents. Non mais putain, mais sérieusement. J'ai raté 3 confusions.
Trois trucs de confusion, je les ai ratés. Avec le bazar, c'est sans merci, c'est ce que je veux dire. Quoi, mais. Mais tu me l'as donné ? Mais il sert à rien, tu parles de représailles, mais tu me donnes même pas la cité. Bon, je retourne au centre Pokémon. Un rappel. Ah merde, putain, j'avais pas fait ce combat. Cradopo. Oh, tiens, lui, je l'avais. Ouais, il y a des Cradopo, ouais, du coup, ici. Un excellent gars. Du coup. Cradopo. Paf. Para, para, para. Ah mais du coup je peux même pas m'envoler pour aller plus... Enfin si je peux m'envoler mais je peux même pas foncer avec Nala. Oui il y a des marines. Mais c'est... Oui. C'est... J'ai rien de plus à dire en fait. Bon du coup je pense à être Oiseau du Ciel qui va carry totalement la prochaine arène. MDR le mec sur son gros lem il roule. Okay. Il roule en sautant pour aller plus vite. Bon. Donc j'étais là. Cradopo, j'imagine, il donne de l'attaque. En EV, si j'en vois. Attends, je vais vérifier quand même. J'étais dans le mal 2-3 fois, mais ça va. Normal, normal. Bon, c'est bon, bah, dans la tier list, hein, du coup. Plonge éclair, oui, avec plaisir. Il y a deux types d'attaque physique et spéciale. Non. Non. Oh, il y a des excellents, il y a des insécateurs encore. C'est bien, c'est bien. Alors. Mec, on est suivi, hein. Genre, il y a vraiment trois personnes derrière nous. C'est des viewers. Oula. C'est ça. Ouais, bon. Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai eu un petit bug là. J'ai pas crash en faisant le combat. Mais genre, c'est comme si j'étais en combat et pas en combat à la fois. Et c'était bizarre. Voilà. Ok. Alors, tech. Bon, on bute les étourdoles. Hein. Ah merde, putain, je crois que je suis pas censé être là. Ça donne les bons EV. Attends, merde. Ah, y'a un truc là-bas ? Ah oui, bah c'est là où on était avant. Ok. Il y a deux types d'attaques, physique et spéciale. Non ! Sans blague. En vrai, là on a peut-être le, là, on a peut-être le Wonder Trade, non ? Ah mais non, mais ouais, mais oh, putain, à la Kazam ou. Ah, je sais pas. Bah ça dépend, c'est plutôt à la Kazam ou Gardevoir que Galam, tu vois. Ah mais c'est deux types si je le prends. Ah oui là il y a un cadavre à côté de moi. Je le prends au cas où. Vas-y vas-y. Et rien là. Je vais voir c'est quoi son truc. Papala. Mais ouais il a que des chaînes. Ça c'est un mec il a payé. Oui. Tu peux pas avoir autant de chaînes ici tôt. J'ai envie de faire une bonne aventure. Oula. Ah où ? Attends, j'ai été. Attends, mais faut aller où ? Ah, c'est parce qu'il fallait coupe. Ok. Donc... Bon, moi, je ferme mes EV en attendant. Ah, il a un Ponyta Shiny. Mais ils sont deux en plus. Ils sont comme nous. Sauf qu'ils ont des Shiny. Bah. Ouais. Genre, ils s'attendent et tout. Ils font les trucs de leur côté, mais. Oh, du fer. Bon, bah, les couilles. Ah, ça doit être probablement le dernier combat, ça. Scorplan, Roselia. Ah, un peu chiant. Meditica. On va d'abord buter Scorplan. Moins un. Ouais, vas-y. Ah, mais non, mais y a trop de monde, en fait. Genre, un, deux.
On est 5 au même endroit, genre, s'il te plaît. Ouais, c'est chiant parce que tu vois, du coup, faut s'attendre. Enfin, on doit tout le temps attendre. Ouais. Oh, le poison Natsu, miséricorde. Comment on va faire? Dieu. Oh putain, il est quasiment dead. Je vois pas sa vie, mais il est très très bas. Ouais, je vais switcher. Hein. On va switcher. Non mais les gars, dégagez, genre. Putain, ils forcent, ils forcent. Ah ouais, ils sont chiants. Hein. Merci. Ouais, il est long, hein. C'est... je crois qu'il y a 6 Pokémon à combattre en tout. C'est vrai? Ouais. Ah, il y a un Scorplan. C'est pas grave, au pire, Cruel sur Scorplan, comme ça il va mourir. Je me souviens, moi, vraiment, c'est la première fois que j'avais fait Diamant, j'étais resté tellement longtemps dans cette zone parce que les combats, j'avais vraiment du mal. Le centre. Hop. Ça dégage. What? Ensuite, Mustebou avec ses langues, bah écoute, ça fait séisme aussi. Hein. Hein? C'est pas un problème. Ah, il y a un centre commercial à Volaroc. J'avais oublié ça. Attends, mais comment on va au centre Pokémon? Ah, mais il est là-bas. Mais c'est quoi ça? Il me semble que c'est la reine pourtant. Ok. Il y a toujours des petits dresseurs ici. Combat double, bon, bon, ouais, comme ça. Ok, alors on va déjà commencer par buter toi. Le centre Pokémon. On peut pas passer là, c'est sérieux. Oh putain, let's go. Mais il est chiant le centre Pokémon à atteindre. Ouais, il est long. Bon allez, Wonder Trade. Tac. Bakabou. C'est pas un Pokémon de Sinnoh, c'est. Wonder Trade. Bon, on va prendre un. Ouais, alors, tu l'auras, il aura un Tarsal. Hein. Ouais, le centre commercial, ça peut être intéressant. Une nouvelle vie vous attend. Ouais. Tarsal, oui. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a? Putain, c'est chiant. Ah, là, il n'y a aucun PNJ qui vend. Moins défense, plus ça peut être... Alors, qui... donc là, c'est normal. Là, c'est normal. Oh putain, on a les Hyper Balls maintenant, du coup. Comment on fait pour aller à l'arène là? Je sais pas. On peut pas. Super. Il me semble qu'il faut. Oh ouais, non, ça. Il me semble qu'il faut escalade. Ah, c'est possible. Ça je retiens. Voilà, Rock, il y a les items surcheatés. Qui augmentent les stats. Bon, moi, je veux ceux qui me donnent des attaques. Ouais. Il y a un truc que j'ai loupé là. Ah, allez, voilà, allez. Oh putain, c'est cher. T'es où, mec? Je suis au. Commercial? Ouais. Ok. Ouais, y a pas grand chose. Hein. Ah non, ça c'est pas le centre commercial ça. Bâtiment Galaxy. Ah oui. Ouais, y a la galaxie, mais c'est pas tout de suite. Ouais, mais voilà. Ouais, dans le centre commercial, t'as un PNJ qui te vend bah, Fatal Food et compagnie, sauf que c'est méga cher. Ah oui. Et surtout, bah ça s'utilise qu'une fois et. Pff, vraiment, j'ai aucun Pokémon qu'on a besoin, quoi. Vu que mon Luxra il est vraiment orienté offense physique. Oh mec, ça sert à rien d'avoir Fatal Foudre. Oh non, ce Aurore elle est bloquée par des gars là pour récupérer son Pokédex, je crois. Et en fait, faut que je parle à un mec. J'ai pas parlé. Genre, j'ai pas terminé la quête. C'était où? Ah, fallait qu'on parle à des gens là? Je sais pas. Bah, je sais que Aurore elle doit. Là, je peux pas lui parler donc. Ah ouais, moi aussi. Oh non. Putain. Bah plus qu'à revenir en arrière. Bah les petits cocoques là. Mais ouais, mais il y avait rien moi. On a l'air d'avoir du mal au crâne, il faudrait quelque chose pour les aider. Bah je sais, mais le problème c'est que moi je pouvais rien en faire, enfin. Faut voir sur internet où est-ce qu'il faut aller pour ça, mais pour moi, il fallait juste avancer à la prochaine ville quoi.
pas retourner en arrière, par exemple. Il n'y a pas des PNJ ici qui peuvent. Parce que, attends, on a. Youhou, Emil Sergent, j'ai un truc super cool. Je vais te faire une fleur et te le montrer. Hein. Qu'est-ce que. J'avais pas fait ce combat. J'ai des sauts, mais j'ai oublié de les emporter au Sèvres parce que j'étais dans les ruines. Il faut absolument les visiter, c'est un endroit super cool. Ah putain, bah ouais, faut aller dans les ruines du coup. Non, la capacité anti-brume. Elles sont battues une autre fois. Ouais, ok. Ouais, donc en gros, faut aller dans les ruines. Ouais, mais ils sont où les ruines? Mais je crois que c'est là où je voulais aller tout à l'heure, mais juste, bah, on pouvait pas y aller quoi. Mais... Parce que fallait faire d'abord la quête. Parce que ça faisait comme Motisma, genre. Y a aucun bloc, mais t'as une entité qui te pousse. C'est ça les ruines? Ah, ça a l'air d'être ça. Bah, si t'as pu entrer dedans, c'est bon alors. Hein. Ah non, ok, non. Non, c'est pas ça. Non, ça, je crois que c'est la sortie des ruines, attends. Ah, mais mec, les ruines, où est-ce qu'elles sont? Ah, ouais, je crois que c'est la sortie des ruines. Ah non, ok, Zarbi. J'ai des Zarbi là. Mais attends, t'es où? T'es allé dans l'espèce de puits là? Non. Viens au centre Pokémon. Attends, je vais réessayer ici. Ah non, on peut pas y aller. Au centre Pokémon. Parce que c'est vraiment dans la ville. Bah en fait, j'ai un passage, mais tu peux y aller qu'en volant. Quoi. Genre, t'as clairement la fin. Regarde, c'est par ici. Oh. Ah ouais. Hop là. Allez, un super bonbon. Ah oui, bah c'est ça, des ruines. C'est des trucs de Zarbi. Et des Zarbi qui spawn, j'imagine. Ouais, il y a des Zarbi qui spawn. Bah, c'est clairement ça, les ruines. Mais faut peut-être trouver un PNJ, alors. Bah, on va trouver un PNJ, écoute. Bah déjà, faut trouver anti-brume. Normalement, c'est censé être là. Ah bah non, c'est dans la tour. Donc non, j'ai de la merde. Bah on a aucun intérêt à aller là, alors. Je comprends pas. Je sais pas, il y a des trucs... Poké-coffre, je sais toujours pas c'est quoi Poké-coffre, mais vas-y. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Je suis où là? What? Voilà la rock. Mais attends, ils nous ont sorti où là? Ah mais on est après voilà rock là. Je crois que c'est pas là qu'on est censé aller. Hein. Ouais, on était pas du tout censé être là. Hein. Ok, on repart. Et y'a quoi là? Ouais. Hop là. Ouais. Ah. Tout le monde m'appelle le maniaque de la ruine. Je me fiche de la façon dont vous m'appelez, mais juste continuez à voir. Je vais regarder sur internet où faut aller parce que là. Mais quoi, mais. Genre, qui on est censé voir? Attends, je crois que. Ah. J'ai voulu revenir en arrière, on pouvait pas. Attends, Solus complète. La félicité au quatrième badge. Blablabla. Bonville. Donc il y a les ruines, d'accord. Ah ok, non, je sais. Reviens au niveau de la ville avec l'arène qu'on doit faire. Mais là, on est censé aller à l'arène du coup, a priori. Oui, c'est ce que je viens de voir. En fait, il y a Aurore qui nous attend. Ah mais je croyais qu'on n'y avait pas que ça, qu'il nous fallait escalader. Ici, il faut faire vraiment le tour en fait. Ah d'accord. Ah oui. Tiens, tu vas tenter ta chance à l'arène, puis ouvrir un arrêt d'ascension. Ok. Après. Attends. Ah. On peut déjà la faire. Bah apparemment. Ah oui. Bah let's go. Match au point. Je vais mettre oiseau en first. Hein. Oh putain, oui. Non. Voilà, je vais bien spammer. Hein. Je peux mettre une veste de combat, on s'en bat les couilles, je vais mettre une orbe vie. Hein. Il level combien ton... 37. Ah d'accord, oui, bah, ça devrait le faire. Oh, ils sont level 25, je vais même pas mettre une orbe vie, sinon je vais perdre de la vie pour rien. J'ai pas une plaque qui pourrait être bien. Ouais bon, les veste de combat, tant pis. Hein. Ça part où? Ah, c'est vrai que Cradopou il est combat là, putain. Pombolo. Ah, mais s'il y a que des combats purs, ça va être facile. Ah, mais je pense qu'on va one shot la run, on a beaucoup trop d'avance. En level. Attends. Ouais, je pense qu'on a un peu trop d'avance, Mister. Oh non, putain, attends, j'ai un problème. Ah oui. Ouais, le problème c'est qu'on a trop d'avance.
Ouais. Là, on a déjà le niveau pour battre Cynthia. Bon, peut-être pas. Pardon. Attends, faut aller où, là? Ah oui, ça. Qu'est-ce que... Ah. Merde. Attends, qu'est-ce qu'on est censé faire, là? Ah non, il reste un dresseur, là. Ouais, ouais, moi j'ai fait les dresseurs, mais... T'as fait le Scarino? Ah non, j'ai pas fait lui. Voilà. Intimidation, blablabla. Bon, bah, on va spammer aéropiqué, hein. Ah, il m'a fait bleu. Et pup, barbe à bleu. Bon. Ah oui, Lucario, faut pas que je tape aéropiqué. Ah bah si. Ah, bon, j'ai crash. Je me demande pourquoi. Bon, bah, c'est bon, hein. Soir. Sino. Vent pipoing. Oh. Lucario, il est stylé quand même. Oh, Dracogriffe, oui, à place de Draco Souffle, évidemment. Ah bah, c'est sûr, hein. Oh putain. Ok. Là, tu peux m'aider, blablabla. Donc maintenant, faut aller voir la Team Galaxy, du coup. On change de badge, évidemment, parce que. Oui, c'est vrai. Activé. Paf, paf, paf. Ouais, donc, attends, je vais refaire un menu, je vais mettre des trucs dans mon Ender Chest parce que là. Avec mon Torterra, j'utilise. Presque pas, il est 41. Ouais. Le chronopo, Dracogriffe, nous sortit. Hop, ça dégage. Ah tiens, c'est marrant, je vois une shot à peu près tout. Ouais, let's go, bah Oiseau qui a pris pas mal de level hein, sur cette arène. Hein. La plus difficile hein, d'après les joueurs de Pokémon, bien sûr. C'est vrai? Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ah. Non, bah non, mec, elle est trop simple là. On avait juste un Ziyo et puis basta. C'est vrai que c'est obligé de laisser filer ces bandits. Donc quoi? Ah, je suis. Ah non. Putain, c'est vrai que le centre il est là-bas. Moi j'ai pas été au centre, hein. J'ai vraiment la Oh, c'est les vol. Aïe. Ah bon? Ouais. Tu l'as eu comment? Ah oui, c'est devant la Team Galaxy, non? Et ton Raptor ne peut pas prendre vol. What? C'est rien de plus normal. Bon bah. C'est connu qu'il peut pas prendre vol. Attends, payer. Attends, mais. Pardon? Et Est-ce que lui peut apprendre vol hein? Non, ok. Ça va. Putain, j'ai encore crash. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est. J'ai l'impression que je crash que quand je suis censé obtenir un item avec mon combat. Ah, ouais, même pas. Parapa, parapapa. Méfiez-vous de la Team Galaxy. Suis-moi long. Donc go au hangar du coup. Tiens, vol vers champ. Donc tu dis que Etoraptor ne peut pas. Ouais. C'est vrai. Peut-être que Cleaver peut. Non. Est-ce que Torterra Non. Dans un monde il peut. Alors pourquoi on allait au hangar du coup, à part pour le butin là? Ouais non, rien. I don't know. Et bah là il y a un truc. Faut aller où après? Sais-tu où est-ce qu'il faut aller? Vers champ ils ont dit, mais je sais pas où c'est. Et je sais pas, non c'est peut-être la ville d'avant, je me souviens pas. Je me souviens pas où c'est vers champ. Mais il me semble que c'est la ville où on était avant. C'est sûr. Parce que là il y a un passage après. Je sais pas, ouais, je vais regarder. Ah bah attends. Quand tu vas vers le sud, il y a. Voilà Rock. Donc on fait le combat double. Quitter Voilà Rock par le sud. Ah bah voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Route 214, hein, tu dis ça sérieusement. Donc c'est là où on était avant. Praticable, il n'y a rien à voir là-bas, et à part peut-être des ruines. Ouais, bon ok. Donc route 214. Ouais. On est déjà allé aux ruines, de toute façon, c'est qu'il y a rien. Ah mais non, mais route 214, on l'a déjà fait. Mais non, c'est là où on est arrivé avant. Et pourquoi j'ai pas pu... Ça me met bien. Bah t'as déjà fait ce combat, c'est tout. Ah bah non, bah c'est parce que je t'ai lancé avant toi. Mais non, j'étais là avant toi.
n'importe quoi. Ah ah. Attends. Comment ça quoi? Attends, Natsu il est monté level 36 en lançant le combat. Ah. Et il a pas évolué. Ah. Mais Natsu, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Je voulais enfin t'utiliser. Mais je ne peux toujours pas, c'est ça que tu veux me dire? Oh, on m'a endormi, mais putain, mais c'est insupportable. Enfin, j'en ai marre qu'on m'endorme. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fait pas assez de dégâts. Quoi? Putain, mais c'est normal qu'il y ait autant de Pokémon. J'ai pas combattu lui. Mais c'est normal, je suis contre là. Oui, mais je pensais que j'étais parce que il y avait un Pokémon qui m'avait attaqué. Non. Oh non, je vais pas me faire buter par un putain de poids sirène, mais. Mais laissez-moi évoluer, bordel! J'attends ça! Depuis si longtemps! Chenizel, ah bah je devrais le kill ça quand même, non? Ah, c'est marrant, du coup, sa queue elle a pas de flamme. Quand il pleut. Ouais, elle est éteinte. Voilà. Allez, changer clair, Natsu. Alors. Merci. Trop bien changer clair pour XP. Ah bah voilà! Ah bah il prend des dégâts. Ouais, souffre! Tu n'es pas. Tu es trop décevant. Je n'ai jamais eu un Simiabras aussi peu bon. Il est gros, par contre. Non, c'est une illusion d'optique. Alors, ta stat d'attaque. 99, putain. C'est nul. Attends, on venait de là ou... Attends, on venait d'où? Ah ouais, non, si, on venait de là. Niveau 55 pression, je m'en fous. Dévoref par contre, ça ouais, donc 48, faut que je le fasse évoluer. Bah, c'était un garde-voir, ouais. Oh, pression, c'est en vrai 120. Paf. 120, 100. Ça fait quoi, pression? Pression, ça. C'est un de chargement. Ouais, non, c'est chargement, c'est bien. C'est en deux tours. Non, c'est pas une attaque de chargement, c'est tu l'utilises et prochain tour, elle s'active. Mais c'est pas une attaque genre lance-soleil. Ah! Donc non, c'est bien. Ok, ouais, ça... Attends, ça... Je crois que c'est genre l'attaque, on va dire, pas signature psy la plus puissante. Ah mais du coup, je vais clairement lui apprendre en fait, donc 41. Après, ça va juste attaquer au tour d'après, donc si t'as psycho, autant le prendre. Ouais, je... En psycho... Ah, j'ai Dévoref level 48, en vrai Dévoref, je vais le mettre. Non mais Dévoref, faut d'abord hypnose, donc... Ouais, je sais, mais j'aime bien Dévoref. Bah c'est normal, c'est parce que c'est trop bien Dévoref. Mais c'est bien que contre des ordis, sinon c'est nul. Non. Non, en vrai combat Dévoref il est trop dur à utiliser. Bah en vrai non. Bah faut que le Pokémon en face il se barre pas, tu vois. Donc... Bah tu t'en fous, tu le... Autant utiliser ce tour bonus pour essayer de te setup, tu vois. Que tu sais que ton adversaire, dès que tu l'endors, il restera endormi minimum un tour. Donc autant profiter et après, te setup, tu vois. Genre ouais, avec une plénitude ou je sais pas quoi, vu que si tu joues ce que tu joues. Non. C'est que mon avis. Mais c'est pour des cons... Ah merde. Mais là, ce que je te dis, ouais, c'est pour des vrais combats, pas des ordis. Les ordis, tu t'en bats les couilles, hein. Tout fonctionne contre eux de toute façon. Non mais même pour des vrais combats, que ça fonctionne des vrais... C'est dur à caler, hein, contre des débutants, ouais, mais sinon c'est chaud à caler, je pense. Bah, en vrai, mec, ça. Le gars, il a un Pokémon qui est en sommeil, et en plus, tu peux le tap, donc il va forcément switch en fait. T'as un point d'exclamation avec eux? Non. Oh. Oh non. Attends, mais fallait bien qu'on aille là. Attends, il dit. Y'a pas de panneau? Y'a pas des panneaux? Pas de panneau. Ah oui, je sais dans quelle ville on est, mais là-bas il y a la dernière ville du coup normalement.
pour le 8ème badge. Miséricorde, là c'est le resto. On est 213 et on est à la rive. Rive quoi? Attends. Normalement on est censé. Attends, on a loupé la rive du lac Courage. C'est là où on était censé aller. On n'a pas entendu d'explosion. Donc là c'est la première à gauche du coup. Dès qu'on peut, faut aller à gauche. Mais on peut pas. Ouais, mais on peut pas. Merde. Interdit d'entrer dans le lac pour le moment, nous sommes. Continuez au sud. Ah bah non, bah c'est vraiment ça. Pour aller jusqu'à l'hôtel. Mais c'est bizarre, pourquoi ils sont là et on peut pas leur. Ah bah oui, mais je suis con, c'est pour plus tard. Quand il y a des explosions. Ah oui. Ah mais ça porte à confusion le ça du coup. Ouais, un peu. Ça doit être ça l'hôtel, j'imagine. Non, ça c'est le resto. Non, c'est là par là. Bonjour. Une chambre pour la nuit, on va les couilles. Dégage. Ah bah oui, du coup ça nous a heal. Ah ouais. Parce que je suis dans... mais il était KO lui. Enfin il a été res mais mais il était un PV normalement quoi. Donc il va avoir du retard en level hein. Lui donner un 9 chances. Eh hey, mais attends, mais je suis en train de penser, attends. Oui. Attends, non, vas-y, continue, t'inquiète. Ah mais j'ai rien de plus à dire, moi je finis. Pierre éclat. C'est pour Togekiss. Oh, un Sankoki noir. J'ai une pierre éclat. Oui, j'ai une pierre éclat, bah parfait. ouais, mais attends, regarde les attaques que Togetic peut apprendre avant de l'utiliser. Ah oui, non, mais je vais attendre, mais c'est juste. Bah parfait, tu vois. Genre. Je suis contre un Sankoki noir, j'ai jamais vu ça. Quoi? Tu vois? Non, le tue pas. Ah, je l'ai buté. Fuck. Putain, ça va, j'en ai marre de me prendre 20 milliards de coups pendant la confusion, ça me le fait tout le temps. Il est bleu, hein, le Sankoki. Non, mais je l'ai buté, mais là. Je... Non, il est bleu, cherche pas. Il peut se tirer comme ça. Ah, mais on est là! Ah! Quoi? Okay. Bon. Bah là c'est vers le début. Ah bon? Ouais. Faut trouver le. Ah attends. Non, pas du tout. Vous voulez une chambre? Faut aller à la route 13, avancer jusqu'au poste de garde de Verchamp. Ah, Verchamp, oui, il y a les marais à côté. Enfin, t'as le parc safari. Ah. Je pourrais aller chercher un Yanma en attendant d'avoir mes gros pokés. Ok. Un petit Yann méga là. En vrai, j'ai déjà un type insecte, un type vol. En vrai, on m'en fout. Avançons. Verchamp, oui. Ouais. T'as déjà fait tous les combats? Il y en avait pas beaucoup. C'est vrai. Ah oui. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est peut-être pour ça. Voilà. Normalement, il me semble que là, ouais, on va bientôt entendre d'explosion. Enfin, entendre. Explosion. On va la voir devant nous. Oh, René. Ah merde, il y a le combat contre le. T'es devant l'arène pour le combat là. Ouais. Ouais. Ok. Oh là là, Cleaver. Oh, il m'a brûlé, le salaud. Salaud. Ah mais brûler mon Graou, c'est pas ouf en fait. Oh, enfin une attaque. Enfin une attaque, Cleaver. Autre que normal. René, il m'a rien dit, il m'a lancé le combat. Ouais, pareil. Attends, son Primploup, il a pas évolué encore? Bon bah, on a le cas, vous. Staravia, c'est qui Staravia? Parce que Ponyta, Staravia c'est Étourvol. Ouais, moi je vais switch. Lancer le combat pendant que je lance en fait. Parce que ça me refait faire le combat. Ah oui, bah désolé. Bon, j'ai quand même battu, mais. Ah voilà. C'est chiant. Ah ouais, bah moi aussi du coup. Bon bah go expert. Bah du coup moi j'ai vraiment perdu 0 Pokémon durant ce combat, mais même en le faisant deux fois d'affilée. Bah c'est pas trop dur hein. On a tellement d'avance là. Ah il faut que je rebatte Primploof aussi du coup. Bah ouais.
Allez, c'est parti pour l'arène. Oula, j'ai fait si peu de dégâts. Merde. Alors, c'est par où? Ah, j'ai crash. Ah, j'ai crash. Non. Oh, par hasard. Pas encore. Bon. C'est la seule chose que j'ai pour. Ah, mais c'est bien, mais. Ah, mais tu n'es pas un dresseur. Ah, il y a un système de TP. Ouais, normalement, c'est avec de l'eau ici. Donc là, il joue au TP, je pense. Ah non, oh. Ah, c'est stylé. Ah non, on se déplace sous l'eau du coup? Non, en fait, on est TP dans une autre pièce où il n'y a plus d'eau. Ah, sympa. J'aime beaucoup. Les abdos ne sont pas la seule chose que j'ai pour mission de développer. Mais pourquoi t'es sur une caisse de dresseur? Ouais, pareil, j'ai bugué, mais... Ok, donc c'est pas là qu'il fallait aller. Non. Si, c'était là, mais c'était pas le dresseur qu'il faut, c'est... Mais je suis déjà allé sur la truc, ça a pas... ça m'a rien fait. Oh, hello. Attends. Non, ça c'est les points de TP où tu reviens. Et mais là, t'es allé où avant? Oh putain, j'avais pas vu. Et maintenant, le combat. Donc du coup, on peut descendre ici. Ah, c'est une... Bah bien. Parce que le système... Ils pouvaient faire ce système en vrai dans l'arène combat, mais c'est tellement casse-couille et inutile que bah, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. What? Mais y'a aucun dresseur. Je comprends pas où est-ce qu'il faut aller en fait. Y'a pas de dresseur à faire, j'ai l'impression. Ils ont l'air buggés. Non, bah non, mais tu leur parles et ils te parlent donc. Ouais. À moins que là je puisse le. Ah non. Ouais, non. Ah si, y'a un dresseur. Oh! Oh wow. Incroyable. Bah j'attends si c'est comme ça. Mais là j'ai 6 notifs Discord depuis que j'ai lancé le stream, il y a trop de notifs. Vous me saoulez les oh serveurs. Non, comment tu fais pour T'as écrit annulé bon. Normalement. Comment? Appuie sur échappe au pire. Ah oui, annulé, c'est bon. Ouais, go Elise. Bah ouais mais les gars, mettez pas des types vol, bon ça va que je les one shot mais Ah mais pas un bec qui pend du coup. Vent arrière, ça va, il est débile. Il ne sait pas qu'il me one-shot. Ah, va falloir que j'annule son évolution à chaque fois. Ouais. Parce que tu veux lui apprendre quoi là? Bah, on peut enfin le combattre lui. Dévorev, niveau 54, 53. Ouais. Ah ouais, mais c'est pas tout de suite ça. Bah oui. Tu vas attendre. Ah, je sais. En vrai, vu la vitesse à laquelle on la va, 6ème arène, ça devrait être bon déjà. Mais... Je suis débile. Mais bon. Azuri, il est typé. Attends quoi? Attends, pourquoi Azuril Attends, attaque des types de dragons, ça fait rien au fait? Bah oui. Okay, c'est totalement pas. Con, l'une des raisons pour lesquelles j'aime pas le type fée d'ailleurs, c'est que ce type n'est pas logique et qu'il sort de nulle part et que quand il est sorti, bah... Il y avait allez, t'avais deux Pokémon max qui méritaient d'être type fée, mais t'en avais plein d'autres, genre qu'est-ce qui branle avec ce type? Genre Azumarill fait partie de ces Pokémon. Tu vois, Galopa, Xerneas, d'accord. Oh l'aide, il se soigne... Mais oui, du coup, dégage. Le type fée est immunisé au dragon, en effet. Il veut pas mourir. Meurs. Oh, merci. Ah. Pam, pam. Non, mais boum. L'armure, ça casse les couilles, genre, dégagez. Oui, en effet. Merci. Hop, Barbicha, je suis. Ah, je ne bute pas Maril, si. Et Azumarill du coup. Est-ce que je le one shot? Du coup, on va passer aux choses sérieuses. Ah et non. Torterra. En avant. Ah bah oui, bah là. Là, l'arène pour toi, elle est clairement pour toi celle-ci. Ouais. En vrai, moi, ça devrait aller, mais. Moins quand même. Est-ce que ça fait mal l'âme d'air? Non. Ouais, autant que j'utilise coup de mou. Plécroix. Oh, oh, oh. Des attaques. Oui. 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 Je peux enfin lui donner la plaque insecte.
Elle est longue l'arène. Ouais, elle est très longue celle-ci. Hop. Oh mais quoi, mais j'ai l'impression que je reviens en arrière. Là. Et... Hein? On est d'accord que j'ai pas d'autre endroit où aller. Ah mais si, ok. Pam pam pam. Ah tu descends mais. Pam. Da dan dan dan. Allez là. Ah du coup il... Ah, il est ressuscité donc c'est parfait. Quand j'ai marché il s'est ressuscité. Ouais c'est cool. Ouais, c'est pratique. C'est bien pratique tout ça. On a encore pris un niveau, annulé. Ouais. Ouais. Donc là, en gros, ça veut dire que j'ai un coup double qui est boosté avec mon talent de 50% et j'ai la plaque qui booste ma plécroix en plus. Ah. Donc 20%, donc 80 et 20, ça fait un petit... Oh, putain, ça fait un petit 16, une petite 96 de puissance avec un petit stub. Donc tout ça. Machouille, est-ce que machouille à place de... Attends, j'ai tranchère, séisme, vampigraine et piège de roc. En vrai, machouille, je m'en fous. On aurait été parfait d'avoir cruel, mais malheureusement, il peut pas l'avoir, j'ai l'impression. Je ne veux pas. Je vais juste me soigner du coup. Poissirène. D'accord. Je sais pas se croire. Léviator. Ah, tank un peu plus. J'ai des potions. Oui. Oh. Ah oui, c'est vrai que j'avais eu un bug et du coup j'ai des stacks et des stacks de super potions. What? En vrai, je les utilise pas du tout moi les potions. Je pense que ça sera utile que pour la ligne. Ouais mais là c'est parce que je voulais juste pas refaire le tour hein, cool. Ah non par contre c'est pas ça que je voulais envoyer. Ouais, bah oui Luxray. Non bah moi je vais envoyer Luxray hein, pour ce combat, je vais pas m'embêter. Ah non il a un arrest. Oui non mais pas grave hein, tu switch. Ouf. Non j'ai pas envie. Je vais vraiment T'es bon? Ah bah ok, il me l'a tué, Marast. Ah. Ouais bah attends, deux secondes, je termine. Ouais, je vais pas lancer le combat hein. Alors vais-je crash? Est-ce que ça a confirmé que les combats importants ou les combats où que je lance en même temps que toi, je crash? Déco. Non, je sais pas. Attends, non. Tu peux le rentrer là ou? Attends si je le rentre et que je le renvoie. Ah dommage. Yes. Ça a été marrant. Ok. Oh bah Léviator mais... Oui bye. Hop. Prends-en. Marest. Ouais si tu le tues. Hein. Oh. Ouais continue de faire des tirs de... Ouh ça fait très mal. Ouais il te le tue. Ouais bon moi je vais switch. Oh salut t'as eu le badge d'arène pas vrai. Ouais je l'avais dit. C'est vrai. Quoi tout... C'est quoi tout ce tapage? C'est vous oh maître. Quoi? Maître Adamaï. Ah, c'est Loris. Je connais ton père, c'est vrai. Ah, je pensais qu'il allait dire, écoute. Je suis ton père. Je suis ton père, c'est vrai. En effet, il est vrai. Mais je me rappelle pas t'avoir pris comme apprenti. Pas le moins du monde. Eh oui, du coup, ça confirme, les combats importants me font crash. Yeah. C'est confirmé, les combats importants me font crash. Y'a un gars qui est vraiment invisible ici. Ça veut dire que je vais crasher tout le temps quand je ferai la ligue. Oui. Ça va être trop bien. Bonne chance. Passer un bon moment. Mais bon. Attends, j'ai un problème. Bon, faut que j'XP un peu Natsu, il a un peu de retard. Le badge palustre. Du coup, on a eu ce mur qui n'est pas ouf. C'est pas j'ai ouf. Dû faire un point. T'as eu les badges, c'est quoi le tapage? Oh maître, gamin, je connais ton père. Moi visant, personne ne touchera vers champ. Pourquoi, il y a eu une explosion là? Explosion. Salut maître, ça va? Alors... les Pokémon, le combat... blablabla... Allez vers le grand marais.
il est une secousse se produit. Le grand marais, il est au nord. Ah. Il est à la grande. Attends, est-ce qu'ils ont été fidèles au jeu? Ah putain, ils ont pas mis le truc où tu mets ta tête et t'es un corps de cradopo, genre. Bah, en même temps, c'était un peu. Boum! Qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes des enculés. Ah mais est-ce qu'on verra des Magikarp partout? Mais... Il nous TP putain. Mais à l'aide. Mais c'est trop bien. Pourquoi on est heureux? Ah oui. Putain. Mais c'est chiant. C'est pas plus mal écoute. Donc là j'imagine on va être TP au, au lac. Oh. Ah mais attends, ah ouais, c'est normal qu'on ait le combat en même temps là. Ah ouais, non, c'était pas normal. Non, Anu et Kyria ne veut, je veux pas qu'elle ait voulu. Donc là, j'imagine, vu qu'on est TP tout le temps avec les dialogues, on ira, on sera au, là où il y a les Magikarp partout. Tu devras utiliser ce médicament pour les psychoquacks. Quoi? Oh merde, attends. Attends, c'est maintenant qu'on fait les psychoquacks? C'est pas après? Oh non, attends, attends, je déco, j'ai un problème. Ah ouais. Je suis bugué. Bon, faudra retourner voir les psychoquacks. Hein. Ouais. Ah, on va à Celestia. Ok. Bon, je vais y aller en vol. C'est ah, bah il est là le lac. Putain. Ça me casse les couilles, putain. L'entrée est bouchée, MDR. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça m'a remis au spawn. Ça m'a fait des... Encore. Ouais là, c'est chiant. Du coup bah reviens en volant hein, le temps que moi j'y aille. Ouais bah c'est ce que je fais mais... Attends quoi. Parabam, c'est long. Parabam, bam, parabam, parabam, parabam. Parabam, pam, pam, pam. C'est quoi cette ville là? Mais t'es en train de full couper là ou? Ouais mais je sais pas c'est où en fait. C'est quoi tes codes? Attends parce que moi là je suis en train de retourner aussi là-bas donc Ah bah ils sont là les psychoquacks. Du coup faut que t'ailles en taille en 760-70. 760 moins 70. Ouais. C'est par là. Non, c'est pas par là, c'est par là. Café cabane. On peut avoir des petites choses ici. Ah oui, bah non. Par du lait mumeur. Il n'y a rien. Bah en attendant, je vais farmer un peu les EV. Hein. Hmm. Bah tu vois, je préfère avoir tes bugs de déco que mes bugs à moi. Bah ce qui est chiant, c'est que ça m'arrive très souvent en fait. Mais ça va, enfin. Ah, je passe. Ok, je découvre des endroits qu'on va faire plus tard. Ah bah. Logiquement, oui. C'est bien. Tu vas avoir des choses de qu'on neige. A. Je me demande ce que c'est. Chat ah bah, toi, salut, tu sais pas du salut, coup. Salut, chat noir, comment tu veux, je sais pas combien de temps. T'es... Est-ce que tu regardes pas le chat, toi non plus? Non, je. Tu regardes pas trop? Il y a un chimchar au GTS à 50 000. Il vient juste de le mettre, hein. Ça se trouve, il vient juste de le mettre et du coup, je suis heureux. Attends, GTS. Navigateur. Le chimchar à 50 000. En 760, ah, il est nul. 70. Ah, mec. 760 moins 70. Ok, parce que là, je suis vraiment en plein milieu de l'océan, donc j'ai peur. Ouf. Ah, mais putain, c'est bugué. Je suis débile. T'es pas censé y être. C'est pas ça, c'est que je suis en moins 900. Ah, t'es un peu loin là quand même. Ouais. Putain, je me dis, ouais, c'est bon, je me rapproche, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ouais, c'est normal que je bug comme ça. Enfin, que je bug, que je. Pas ça. Ça va faire 4 minutes. Oh bah, hey, franchement, mec, t'as de la chance. Hein, parce ah bah, que ça fait clairement une heure. Ça fait clairement une heure que je regarde pas le chat. Parce que moi tout à l'heure je regardais pas et je pense que ça a attendu 10 minutes. Parce que moi aussi je stream de mon côté
Il y a quelqu'un qui m'a dit t'es très concentré apparemment, j'ai pas osé de ping mais c'est pas la bonne catégorie le jeu là. J'étais en mode merde. Et oui, c'est pas Genshin Impact, c'est Minecraft, c'est pas pareil hein. Certaines différences. Bon, je pense qu'en attaque il est bon là, mon Luxray. Du coup je n'ai plus Twitch là. S'il te plaît, Twitch revient pendant que je Twitch vole. Revient, Twitch revient. Ah, j'ai eu des perles, j'ai même pas eu. Du coup, 760. Ok, c'est par là. Oh my god. Du coup, attends, faut aller où? T'es arrivé là? Voilà, ah bah salut mec. Faut aller là. La psychoquac qui ont mal au ventre, tu l'entends, il fait. Donc là, Cynthia, ah, mais excellent. Attends, mais non, mais du coup, putain, j'ai pas marqué. J'ai pas parlé aux autres. Eh bah. Et où? Eh bien, je vais fermer. Ah ouais, bah là, du coup. Ouais, c'est par là à peu près. À tout à l'heure, hein. Ouais, tout à l'heure. À tout de suite. Je peux jouer avec vous, je cherche des gens pour jouer. Bah écoute, tu peux jouer avec nous, mais on est avancé dans l'aventure. Si malheureusement, ouais, t'es pas vraiment à notre niveau, malheureusement, donc, on ne t'attendra pas. Ça, c'est un truc que j'ai dit aussi. Pas, hein. C'est un truc qu'on avait dit hier déjà. Tu c'est... joues plus que nous, quoi. Bon, il faut vraiment tryhard pour essayer de nous rattraper. Ouais, c'est ça. Donc ça va prendre du temps parce que là, pour atteindre l'endroit où on est. On a mis bon ce début de stream ça nous a pris du temps donc je dirais 4 heures de jeu. Ah oui 4 heures. À peu près 4 heures, un peu plus. Ouais. Attends, je suis où là? Grand Marais de Verchamp. Non c'est pas là. Si ce marais. Ah non mais ça nous a fait revenir par là ça. Ah là là, je suis perdu. Bam bam. Mais je sens que j'ai trop d'avance. Hein. Ah si ça va marcher. Ah ouais non. On ah oui sur, non bah là c'est mort. On est là, sur un désolé. Serveur en fait. Ouais, on est sur un serveur donc du coup. On est sur la Java ça donc va... sur ordi. Donc oui c'est mort. dommage. Miséricorde. Je sais que mon pote à tous. Héros à Neve. Ça a marché. Ouais mais là on est sur un serveur donc ça va pas être possible. Ah, miséricorde, hein. C'est très triste. Bon bah Nev, on a bien avancé. Je sais pas si tu connais Diamant Perle. Là on est au Psychoquac. On va aller à Celestia voir la mamie de Cynthia. Bien évidemment je mettrai la musique là, de Cynthia à la ligue. Hein. Cela je va le soir. Faire le coup. Ouais, c'est parfait. Ok bah le combat est fait. Et ok, la potion secrète. La potion secrète. On va dire que c'est bon. On hein. va aller où? Tac. Ah putain. Ah oui, c'est vrai que je lui donne ça. 70, donc c'est par là. Pas bon. C'est chiant quand ça bug. T'es obligé de faire un peu. Tout mais n'importe quoi, tout va bien. Ouais, se plaindre là. Merci. Est-ce que la lumière est meilleure si je fais ça? Ouais, un peu. Beau le jeu hein, avec les shaders. Ah mais les shaders on voit rien de nuit. Mais non, moi on voit très bien. J'arrive pas à télécharger ton shader de merde. Attends, je vais essayer Project Luma mais il va me faire laguer sinon. Il fait trop laguer ton shader. Hein. Je vais essayer en attendant que tu viennes mais... Ah merde, c'est pas par là, c'est par là. Oh, attends, ouais, j'ai allumé ma lumière. Ouais, du coup, faut que je baisse là. Voilà. Ah, mais c'est vrai, putain. C'est vrai que c'est le ciel, c'est la raison pour laquelle je joue pas avec. C'est à cause du ciel là. Ah, ouais, là. Ouais, la lumière elle me nique les yeux en fait. On va rester sur ça. Ah là, mes parents qui cherchent ma petite chienne depuis pas mal de temps, mais en fait elle était avec moi. Ah. Triste. t'es là? Ouais. Ah, y'a un mec sur son host enfer là. Pas loin. Ouais, c'est bon, je suis. Ok. Let's go. Oui.
Alors. Ouais. Alors là, il y a une petite balle. Peut-être mettre Natsu en first. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. Il faut avancer. Oh non, mais dis pas que le max repousse, ça fait qu'on peut. Ah, si, on peut lancer des combats. Ouais. Match chopper, ok. Sympa. Ah ouais, le petit ninja, lui, il est caché normalement en herbe ou en petit tas de cendres, je sais plus quoi. À moins que ce soit l'autre. Bonjour, Nosferatu. Nosferatu, c'est un peu mieux, mais c'est toujours bien. Ah on a beaucoup trop d'avance. Hein. ouais. Là, on leur roule beaucoup trop dessus. Parce que si c'était avec un poké, d'accord. Mais non, c'est avec toute notre team. Bah moi ils sont tous 40 hein. Bah moi... Ouais moi pareil. Etoraptor 46, Torterra 45... Moi Natsu 38, 30... Nala 44, ah, Cleaver 41... Luxray 40... Et Oiseau... Il y a 32 du coup qui commence à rattraper. Ouais on a plus de 10 levels de... C'est trop... Ça fait beaucoup trop là non. Ouais. Tu pouvais utiliser la capacité anti-brume. Bah oui je sais. Blablabla. Ouais. Et allez, Pokémon insectes qui peuvent apprendre anti-brume parce qu'ils ont des ailes. Tu savais pas que ça avait des ailes. Les insectes. On apprend quelque chose. Comment ça? Pierre éclat. Ah bah. Maison de Mamie Bertil. Oula, level 39 ça ce dresseur. Grignote. À close combat. Hein. C'est sympa le level 39. C'était juste un Greek note. Oh, on m'a pile, je suis une initiant quittant ma ville de Dracologue. Ah! Et ouais, Dracométéor. Cette meuf-là qui nous apprend Dracométéor, du coup. Bon, bah, c'est mort, hein, mais. On verra bien. C'est débile. Hein. J'ai combien de bonheur là? Attends, j'ai personne qui a le bonheur au max. What the fuck? Mais Togepi il évolue avec combien déjà? Pas tout de suite. C'est par bonheur. Oh c'est vrai. Parce qu'il est 43 quand même. Bah regarde ses stats de bonheur et je crois que c'est plus de 220 ou... Ah c'est 220. Ouais. Ah ouais. Donc ce n'est point tout de suite. Pour ça que Riolu ça serait un peu chiant peut-être de le prendre. Parce que il lui faut ça quoi. Il faut du bonheur pour évoluer. C'est long le bonheur à farmer si t'as pas l'item. Bah en vrai tu sais les Pokémon ils te donnent des baies. Mm-hmm. Les baies te donnent du bonheur non? Genre tu spams ton Pokémon de baies. Et t'as des Pokémon qui t'en drop donc en vrai ça peut. Si, même si tu veux Lucario tu vois. J'en ai des baies déjà. Je crois. Si tu veux Lucario en vrai farme les baies d'avance. Enfin quand tu kills des Pokémon garde-les quoi. En vrai vu que je joue pas les ça je vais mettre ça déjà et résumé en bonheur il est quoi oh 211 ok bah il va bientôt voilà. Ah oui donc c'est bientôt ouais j'ai fait encore quelques combats avec lui et puis normalement il y a du brouillard dans cette zone ça c'est pour le vélo et vu qu'on l'a bah c'est bon vélo. Ah non attends je vais aller autre part ah merde j'étais pas là. Oh, Papillard Shiny, toi, si j'ai. Vous êtes trop un Poké-coffre. Encore. Mais je ne sais pas ce que ça fait. C'est très énervant. Je one-shot les Pokémon avec mon Togepi, c'est pas normal. C'est vrai que. C'est un Togepi. C'est pas normal. Attends, mais. Non, je vais quand même faire les combats derrière. Qu'on a skip. Attends, il est combien en attaque? Ah, il est 35 en attaque. Level 44. Et tu one-shot quand même? Après Togepi il est très très nul hein, en spécial en physique pardon. Ouais mais même en spécial attaque SP il a 56. Wesh je fais que ça comme dégâts. Oh, what the fuck. Tu es faible. Attends, mais faut aller par. Ah ouais non ok c'était juste un tout petit truc de merde là. Super. Oh putain sérieux. C'est un bon final qui m'a assassiné là. Ah ouais. Oh.
On est marre. Ah mais c'est triste de se dire qu'un insécateur est 20 fois plus puissant que mon simiabras quoi. Ah ouais. Bah écoute, rip. Hein. Je suis énervé. Je suis frustré. Tu peux. Totalement. Pourtant je l'ai maximisé aussi mais pas assez. A priori. Ça n'a pas suffi. Il n'est pas assez fort. Oh fuck. Oui c'est vrai qu'on a des tiltons ici. Bon Celestia, je crois pas qu'il y a un centre, si y en a. Normalement on reverra Helio pour la deuxième fois. Putain 213. Ah ouais d'accord, c'est un par un pour les combats. Ah c'est chiant. Ah mais attends, mais j'ai un gros Zen moi. Gros Zen pour le... C'est bien. Ah bah c'est bien ça. WT Lival. Alors gros Zen il est où? Alors dans combien de temps? Dans 12 minutes. Ah c'est un gros coq. Ah c'est débile. Non gros le coq c'est... Ah si gros le zen, si ok. C'est il te faut le zen pas le coq hein. Non c'est... oui je sais mais c'est juste que... J'avais pas regardé dans la bonne box. J'ai même pas fait IF, qu'est-ce qu'elle m'a dit elle? Ah oui. Okay. Bon j'avance au niveau des combats hein, pour pas qu'on soit bloqué tous les deux. Tu n'évolues pas s'il te plaît. Ouais, ah il me saoule avec la confusion. Hein. Paf, pif pouf. Noirfang, mais je m'en fous de toi, dégage. Non, mais... Donnez le vieux gris gris. Ah c'est vous la grand-mère de Cynthia. Elle est juste à côté de vous. Celestia, bonjour. On mettait le vieux gris-gris. Et après ça, du coup. Donc ouais, on est censé entrer, et là on a un combat contre Helio. Bah du coup, je vais le faire en avance. Attends, il y a un centre. C'est ça le centre? Ouais, c'est le centre. Le mystérieux symbole recouvre tout un plan du mur. Trois choses étranges forment un triangle. Et oui. Là, ce qu'il semble dire, cette peinture est prête, blablabla. 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 Farfuré. Match punch. Méton qui tank. Cornebre. Roue de feu, bien sûr. Et Nosferalto. Donc deux roues de feu. On recrache. Parce que c'est trop marrant de cracher à la fin de un combat sur deux. Alors, blablabla. Bla bla. Surf. Ah. Bien ça. Quoi? Bah alors. Ah, ouais. Cliquez pour examiner, ok, pardon. Oui, oui. J'étais en train de dire, mais c'est... Donc maintenant, du coup, Cynthia va nous parler, après, route 218, du coup. Il faut aller à l'ouest. Cool. Oui, oui, direct. C'est cool qu'ils aient respecté le fait que le nord, le sud et l'ouest, ce soit la même, genre. Genre, ils auraient, pu ne pas ils auraient pu ne pas se faire chier, mais ils ont respecté ça. Ouais, ils se sont fait chier, donc tant mieux. Mm. C'est une fidèle reproduction. C'est bon. Roche royale. Oh, ça peut être pratique ça. Ça peut être pratique pour plus tard. Notamment Karcha. Avec son talent voile sable qui peut être très pratique. Ouais. Faudrait que je lui apprenne tempête sable en vrai. Ça peut être pratique pour utiliser son talent. Parfait. Et du coup, surf, c'est nickel. Donc maintenant, faut aller à l'ouest. Ah, en vrai, on s'en bat les couilles d'avoir surf, on peut y aller en fly. C'est chiant. Ouais. Parce que ça m'étonnerait qu'on soit bloqué. Attends, vers l'ouest, tu dis? Ouais, c'est à gauche. Ah oui, ok, oui, pardon, sur le coup, j'étais en mode. Bah non. Bah si. Mais si. Wesh, le Archéomir qui tank là, vraiment. What the fuck. Roche royale. Ouais, je pense que ça peut être pratique ça. On sait bien, Natsu tu one shot, mais. Faut faire ça tout le temps. Je lui ai donné. Bon, après, je vais lui apprendre bout de feu, hein, je pense. Hein.
Crodragon, ça c'est bien aussi. Haut de feu, c'est pas assez fort. Attends, Crodragon ? Ouais. C'est quoi Crodragon ? Ça augmente la puissance ou ou c'est pour l'évolution ? Ouais, dragon de... Attends, je vais aller le chercher, c'est où ? C'est à la ville, la petite ville là. Je me doute bien, mais où ça exactement ? Tu passes l'escalier à droite des, de la ruine. What ? La grotte, la grotte. Ah mais attends, il y avait Cynthia, je lui avais même pas parlé. Faut que j'aille à Joliberge maintenant du coup. Donc où ça ici. Exactement ? Ici, ici. Mais je croyais que je l'avais pris. Bon bah. Voilà. Voilà, ah, voilà. Trop bon. Ah 21h, ah, j'ai faim en vrai. Ouais, moi aussi, j'ai faim. Je commence. Petite fin. En vrai, combien de temps de stream ? Ça, ça fait 2h pile, ça dit, on arrête là. Bah en vrai ouais, parce que ça fait... Ouais, parce que vu qu'on a pris je pense 3 bons quarts d'heure au début, bah là c'est comme si on avait fait une session de 1h30. Donc moi c'est exactement ce que je veux, donc moi je suis ok. Ouais voilà, bah c'est parfait. Je suis ok. Ok ok. Après il y a juste le Wonder Trail, donc je vais... Je vais attendre de pouvoir le faire et... Ouais. Ouais, limite on continue jusqu'à ce qu'il y soit. 6 minutes allez, moins. Ouais, pourquoi pas. Bah, mets un Pokémon en plus dans ta team pour le faire directement dès que c'est bon. Alors, Lixi, ok, garde à voir, je te. Ouais, non, comme ça, ce sera fait. Quoi que. Attends, il a combien de. 216 en vrai, je vais faire évoluer mon Togepi et ensuite je vais m'arrêter. Attends, okay, mais faut aller par où, mec? Attends, faut aller par où, s'il te plaît? Faut aller au ouest. Oui, mais sauf que l'est, là, c'est bloqué. Dans l'ouest. Ah non, c'est pas bloqué. Ou est. Non, mais je pensais que c'était bloqué. Il y avait un mur. Il y avait un mur. Dans ce flamme. Ouest. Comment ça, un mur? Non, mais il fallait sauter et c'est pas l'habitude de sauter. Comment y ça? Y avait pas de chemin. Ah, on n'y avait pas que ça? De base? Bah, je sais pas. J'en sais rien. Ah merde, on est obligé d'aller par en haut. Si, mais quoi? Mais tu n'as pas pris de. Oh bah, tiens, regarde, carbone, hop. Merde. Ça marche pas. Et c'est bon, ok. Et là, normalement. Oh, 219. À l'aide. Bah, fais un petit, des petits combats et. Et voit. Match Chopper, viens là. Damoclès. Ok. Ok. Il est quoi là? 219 encore, mais c'est. Il a le gros Lozen. Attends, je vais regarder si j'ai des BM, mais ça m'étonnerait. Non, j'ai pas. Bon. Alors, je vais faire un combat dresseur, peut-être que ça va faire quelque chose. 4 minutes. Bon, en attendant, je vais regarder mes notifs Discord. Notification live. Ah oui, t'en as fait une du coup. Boum, pam. Bim bam bom bam bim bam. Damoclès, allez s'il te plaît. Oh là, mais il y a un serveur là qui fait 20 000 trucs. Oh là 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 là. Giveaway John. Laissez-moi. Félicitations à machin qui gagne le truc. Ah. Ça veut dire que je ne suis plus obligé de rester sur ce serveur, je crois. Mais je pense que je vais attendre encore un peu. Parce que je sais pas sur quel serveur faut que je reste pour participer aux autres trucs. Au pire, je m'en bats les couilles. Hein. Ça m'énerve, hein, vraiment. Lixi, je m'en fous que t'es... Vas-y, je vais quitter tous les serveurs, là. Hop, hop. Tant pis. Oui, 220, parfait. Au pire, si c'est un serveur sur lequel je suis. Super bonbon, comme ça. Non, fais pas. Quoi? Il me semble les super bonbons, ça te fait perdre du bonheur. Il me semble. Merci de me voir. Je vais pas tenter, j'ai pile 220, je vais pas tenter. Donc monte un level, comme ça tu t'assures au moins le truc.
Oh mais putain, vas-y, et ça me saoule, de toute façon, j'ai une ex, hein, donc ça va quand même. Voilà, comme ça j'ai plus de 20 milliards de serveurs comme à l'époque. Oh, ça fait plaisir. Attends, il manque combien en XP? Il manque pas beaucoup, je vais prendre Ethoraptor. Ok, mais nickel. Oula. Annulé, Lixi, t'es chiant. Boum, pam, pam. Allez, j'aimerais bien un petit bon Pokémon. Là. Si je pouvais avoir un Grignote maintenant, ça serait épique, bien sûr. Mm-mm. Allez, s'il te plaît. Passe un level. Mais putain, mais Ethoraptor. Oui, Togepi. Oui. Ma petite boule est voulue. Y'a quoi au GTS au cas où? Wow. Oh là 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 là, c'est si cher. Tout est si cher, mais comment est-ce possible? Oh mec. Mon Togeti qui est tellement petit. Bonjour. Putain, 47. Putain. Voilà. Ouais, mais ma team elle est entre 41 et 44 là. Mec, Ethoraptor 48, Togetic ton... 47, Tartera 47, Luxray 42 et Grossifier 40. What? Putain. Ah mais mec, l'Omni-Exp c'est génial. Ah oui mais d'accord, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que t'as de l'XP aussi vite. Bye. Ouais. Et du coup, moi j'ai juste un multi-exp que je n'utilise pas, tu vois. Wonder Trade... Moi dans une minute. Je peux. Attends, je vais aller au centre Poké en attendant, comme ça je serai full vie. Une minute aussi. Comme ça je pourrais le poser direct dans le PC. Bon, bam, bam, bam. Tu t'attends vraiment à ce que ça soit de la merde. Oui, mais grave, hein, de toute façon. De toute façon, je sais déjà ce que je vais avoir donc. Ah oh, oui, bah d'accord. Hop. Je vais avoir ici. Je viens d'avoir une pomme. Ah, je me dis. Alors, attention, one more minute. One more minute. Ça prend de la place dans l'inventaire. Time. Merde, oh merde, j'ai drop ma canne. Hop, voilà. J'ai trop de choses aussi. Biscotte, biscotte, biscotte. Mais j'ai trop d'items sur moi. C'est trop chiant. Allez, oui. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Epic, epic, epic. Vas-y. Ce Pokémon, je l'ai capturé avec une Master Ball. Sur Pixel. What? C'est vrai? J'ai. En fait, il y a eu un bug. Ah, le miss, ouais. Enfin, le bug. Oui, moi, j'ai eu un Surfrousse comme ça. Tu t'attendais à un truc de ouf, hein. Eh ben non. Du bon. Coup, bah. Là, tu reviens direct. Hein. Je vais devant la grotte et. Du coup, on relancera demain. Ça te va? Ouais. Par contre, demain dans les mêmes heures ou pas? Ouais, bah. Parce que. Ouais, parce que moi. Bah, du coup, j'ai une soirée donc je partirai. Oh, ok. Je partirai beaucoup plus tôt de chez moi. Pas de problème. Donc, si on joue, genre, j'arrêterai vers 19h30, je pense. Ouais. Donc, ça va en soi, mais voilà, faut pas démarrer à 19h. Quoi. Togetic, juste je vais regarder Togetic pour voir quand est-ce que je peux le faire évoluer en voilà. Ah ouais, oh. Mais du coup il va plus rien apprendre parce que c'était que le 48 où il apprend en dernier recours. Et là il est 47. Donc en fait dernier recours et vœux, c'est niveau 52, mais vœux, oh remarque si vœux c'est utile. Il prend la moitié des PV du lanceur, ouais c'est utile vœux. Ouais en vrai non, en vrai je m'en fous, je vais pas l'utiliser vœux. Donc bah mec, regarde. Prends ça. Et non, reviens là. Non je ne veux pas. Et là, quand il évolue, à la fin, ça termine bien évidemment par... EXPLOSION! Il est tipiti.
Oh, lame d'air. Oui. C'est un avion en papier ou quoi là? Les petits. Lame d'air. Oui. Et bah, let's go, bah, c'est bon, tout est bon. Ouais. Attends, ouais, c'est bon au niveau des badges. Mon Togeki qui est incroyable, putain. Togeki, c'est tellement beau. J'adore ce Pokémon, c'est mon Pokémon préféré, un de mes Pokémon préférés, je pense. Ah ouais? Togekiss, ouais. Je sais pas, je l'ai mis où dans la tier list? Ah, attends, tu préfères Togetic? Non, 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 Togekiss. Hein, ah oui. Un Togetic, moi, je l'ai mis très très bas dans ma tier list. Oh, moi, j'aime bien Togekiss. C'est un Pokémon tellement useless, genre. Togepi, j'aime bien, tu vois, mais vraiment Togetic. Ah, et Togekiss, du coup, dans la tier list, ouais, ça va. Ça va, ça va, il est dans le top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ça va. Bon, ouais, il reste dans la première ligne des sympathiques, donc il reste vraiment très haut comparé à la 1G ou la 6 là, mais bon. Mais bon, eh bien, c'était bien. Ouais, c'était cool. Continuera demain. Ouais. Et voilà. Eh bien... Même les vétérans peuvent se perdre dans le monde couronné, ok. Donc faut faire attention. Bon, tu fais un truc en particulier après ou pas? Enfin, tu vas manger, mais après, genre... Je sais pas du tout, je vois. Un truc en particulier, non. Je sais même pas quoi faire, parce que les autres ils sont pas là, là. Y a personne qui est connecté. Y'a Zampa qui regarde des animés, y'a Danilo, je sais pas ce qu'il fait. Je vais peut-être regarder des animés, je vais me poser tranquille. Ok. Voilà. Ok. Eh bien écoute, je te dis bonne nuit. Eh bien bonne nuit. Et puis à demain. Et à demain. Au revoir. Au revoir. Eh bien écoutez, pour nous, nous allons nous laisser là bien évidemment. Bon, je vais fermer le jeu, on s'en fout, hein, vu que je vais mettre sur cette scène là. Voilà, alors je ne sais pas du tout si je streamerai ce soir, mais souvent quand je dis ça, ça veut dire que je vais stream, mais bon, vu que je viens de le dire à l'instant comme quoi, ah c'est possible et tout, voilà, j'en sais rien si je stream ce soir. Si oui, pas de Mongus je jouerai samedi, sauf si j'ai un truc de prévu, mais voilà, je le pose là, si vous voulez, je ferai, ça sera la première soirée viewer, Je l'annoncerai sur Discord, je ferai une notif. Première soirée viewer, si vous voulez venir, vous venez. S'il y a de la place, vous pouvez join. Voilà, donc on se fera ça, du coup, bien évidemment, samedi. Ce soir, bon, peut-être si j'arrive à... Si j'ai pas trop la flemme, peut-être on fera du Pokémon Unit pour découvrir le jeu. Sinon, eh bien... demain, Genshin. Voilà, demain, on refera une session de 2 heures et après, du Pokémon. Et après, bah, le soir, je ne serai pas. Je suis pas du tout chaud, mon gars. Bah écoute, si tu veux, tu pourras venir. S'il y a de la place, bien sûr. Mais voilà, parce que je continuerai à aller sur le serveur, bien évidemment, vu que bah, y a pas assez de viewers pour vraiment faire des games pure viewers. Donc on va s'imiter à ça. Voilà, voilà. Bah sinon, merci d'avoir regardé cette VOD, bien évidemment, et d'avoir un peu participé dans le chat, même si c'était pas beaucoup cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave. À demain ou à ce soir, mais ça m'étonnerait, donc à demain pour la suite de nos aventures. Ciao.